Salut! Tu nous Oui, entends? salut. Salut! Mon voisin, c'est vrai que c'est toi. On attend toujours le dernier. La dernière. Oui, la dernière, mais voilà. Là où mais Oui, en fait, tu l'as on sait compris. pas. Va essayer de lui envoyer un message, J'ai pas peut-être. envie. Ouais. Okay. Après, peut-être qu'elle a pris du retard avec lui. Hein. Peut-être. Elle cause. Pour Flo et moi, oui, on se voit à la ligue. Ouais. Thierry, il veut pas. Thierry, Moi, il je peux boude. pas. Il veut J'ai plus nous voir. d'autres. Il a Les su que autres tu ont venais, dit. alors il a dit qu'il venait On pas. avait dit qu'on lui disait pas. Ouais. Ah, oups. Il a pas envie de perdre. Non, j'ai Thierry, autre chose t'exagères. de prévu. Il peut pas, il a piscine. Il a quoi poney? Non, juste poney. Ah, là, là. Voilà. La rive. Allez dire, elle nous ramène à plus là. En fait, je devrais avoir toutes les cartes comme ça, en fait. Pourquoi? Ah, parce que... Allez. Là, tu devrais avoir toutes celles-là. C'est ça. Ça marcherait plus aussi bien. T'inquiète, t'as des cartes pour échanger les cartes entre les joueurs et tout. Des cartes comme ça? Ouais. Ah ouais. Je me suis juste Juste fait pendant ça. une manche, mais ça peut mettre le bazar. Tu m'étonnes. Ah, il y a une bouteille qui transpire, tu veux un peu? Non, bah ouais. On peut pas la rafraîchir elle, donc elle se rafraîchit en nous, quoi. Exactement. Hop. Oui, puis on a tous un point différent, je vais passer bien. Ouais. Tu l'as senti Moi, c'est réponse, toi aussi. Robin des Bois. Bon, il n'y a pas que. Il y a Là, t'as Jack pas et. Jean qui avait Robin. Salut. Salut. Bah, ça va toi? Salut. Salut. Quatre Pourtant, personnes qui j'ai ont le pas envie live de venir. déjà. Mais non. Non. En On t'a laissé fait, il y a quelqu'un. la dernière place. Ah, c'est la place qu'on voit, c'est ça? Non, c'est la Non. place avec l'orange. Allez, je me dis. Il méritait pas quand même. Ils y sont pour rien. Ah oui. C'est comme moi. Oui, alors ça Oui, y est, pas du tout. il avait Vous tout avez pour moins préparé que faire, vous. dès Moi, je peux pas en manger, donc forcément, je vais faire prendre la photo au moment où vous avez le le droit d'en manger. C'est pour ça. Tu Il y a des défends. ciseaux si tu veux. Trop bien. Je veux bien. Ok. Voilà, Merci. C'est le seul alcool que je peux boire. parfait. Si on boit pas d'alcool, hein, on offre. C'est du jus de pomme, ça. jus de Ça pomme avec des sera à bulles. quelqu'un? Non, c'est Non, du c'est bon, tu l'as champomine. servi. On s'est dit, ça va te faire venir. Est-ce que tu connais? Dès que j'entends bruit de la bouteille. Non, je ne connais Ah, c'est pour me faire. pas. Non, tu avais trop petit peu chaud. Une C'est carte. pour ça qu'on parlait du trésor au pied Oui, c'est de la ça. France. Avec carte amie, tout. C'est mignon. Il faut faire des petites mémoires. Pareil, en briquet ou quoi? D'accord. Je t'ai raconté à ta ouïe comme ça. C'est Flo, il boit de l'alcool. Comment ça? Ouais. Non, c'est du jus de pomme pétillant, ça. C'est du champomy. Allez. Voilà. Alors, la forêt des frères Grimm. Le but du jeu, c'est de faire des petites maisons en bois, en paille ou en briques. Ça, c'est au choix. Comment on les construit avec des ressources qu'on va récolter
au milieu et qu'on va devoir se partager. Ok. C'est compliqué de se partager. Un peu les deux. Voilà. Ça se déroule en deux phases. Il y en a une qui se déroule en même temps et une après, au tour par tour, jour par jour. D'accord. Première chose, on a des cartes en main. On va devoir en choisir une. Ouais, c'est pour l'exemple. Ok. T'en choisis une. Et j'en ai qu'une. Justement, c'est du bien. Choisis, il faut la mettre sur ce cachet. Non, c'est caché, on sait pas. Non, t'as raison, c'est des cachets tout haut. Tu vas pas t'embêter. Ah, donc en fait, là, je viens de me faire avoir. Oui. C'est pas possible. Donc t'en choisis une et tu vas mettre ce cachet. Ouais, pour l'instant, ça compte pas. C'est juste pour l'exemple. Ça, c'est le premier tour que j'explique. Après, il vont. Bon, une fois que tout le monde a choisi, on la ramène. Voilà. Ouais, bon, bah, il fallait toujours qu'on soit en brique. Du garde, justement. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre petit bonhomme et on va le mettre à l'endroit où on l'a pris. Donc, toi, t'es ici. Ah, à ce moment-là, chaque personnage seul va prendre toutes les ressources de là où il est. Thierry va prendre 5, moi je vais prendre 3. Et vous, vous êtes 2. Donc on va prendre les ressources, on va diviser par 2. Et si le reste, le reste, il reste sur place. Donc vous en aurez un chacun. Et il y en a un sur place. D'accord. Ça aurait été comme ça. Chacun prenait toutes les ressources. Et si on est 3, ben c'est une brique chacun. Et si on est 4. Là, ça aurait été comme ça. Ça aurait fait un chacun et on fait 2. Ok. Et encore plus marrant, s'ils avaient été comme ça. Personne ne prenait rien. Voilà. Ça, c'est la première fois du premier tour. tu pourras jouer d'autres cartes au tour suivant, mais là, pour le premier tour, il n'y a que ça. Ensuite, vient la deuxième phase. La deuxième phase, tu as le droit, ça se joue au tour par tour, ça se joue au premier joueur qui va tourner à chaque fois. D'accord. On va dire que c'est Thierry qui joue en premier, il a le choix entre deux actions. Enfin, il y a le choix entre deux actions, il y a deux actions parmi trois, quatre. La première action, c'est piocher une carte ici. Okay. On peut le faire autant de fois qu'on veut en plus dans un tour. Hein. Comment ça, tu peux en piocher En fait, tu as deux actions, tu peux piocher deux cartes. D'accord. Donc la première chose, là, Thierry a dit je prends une carte. La deuxième action, c'est prendre une ressource. Au choix, dans la réserve. Mais dans la réserve, on n'est pas là-dessus. Troisième action, c'est construire. Donc, la construction, si c'est le coût de construction, si c'est là-bas, c'est 2, si c'est la maison, c'est 4, et si c'est le toit, c'est 6. Sachant qu'il faut toujours commencer par la base. Par le toit, c'est un peu compliqué. Tu ne peux pas mettre le toit sans les murs. Et quel que soit le type de maison, c'est toujours le même coup, mais on récupère moins de matériaux à chaque fois. Là, il y en a 5, 4, 3. D'accord. Et là, un check. Ah, pour aller parce que justement, il y aura peut-être plus de monde qui ira là, et là, il y aura peut-être personne. D'accord. Et à la fin, plus c'est si tu as des ex-échos, plus c'est solide, plus tu as de chance d'être première. Ok. Si tu as fait deux briques, un bois. Et que Flo, par exemple, il a fait deux bois à une brique, c'est toi qui gagne. Puis la brique reste plus solide que la paille. Le mec, le grand méchant. Oui, je connais. Qui sera là. Et la quatrième action, c'est que tu peux avoir des actions spéciales avec ce genre de cartes. D'accord. Alors, comment tu as ce genre de cartes? C'est en construisant. Si tu construis le plancher, bah, tu construis le plancher, t'as rien. Je construis le plancher, je te débourse de paille. Si je construis les murs, je débourse 4 pailles, mais en plus, je pioche un ami. Hop, je prends une carte. À chaque fois que tu construis une ouais. Okay. Tu ne peux avoir qu'un ami. Tu ne peux pas en avoir plusieurs. Donc, soit tu le gardes, et si tu en pioches un, et que tu en as déjà un, tu le gardes, tu le défausses, le premier. Okay. Soit celui-là, tu veux le garder. Et bah, tu donnes l'autre à quelqu'un. Ah,
Et il est obligé de changer les fiches. Il est obligé de choisir de le prendre. Ouais. Ah, c'est-à-dire que s'il en a un devant lui, il est obligé. Oui. Mais c'est que du bon, hein, mais il peut être moins bon. Ouais. Il y en a qui sont beaucoup plus forts que d'autres. Si tu construis le toit. Oui, je passe un nom. Si. Voilà, ah oui, si. Si. Et que tu es la première à faire une paille, tu récupères la tuile. D'accord. Tu la retournes et tu as le choix. Entre. Et comment ça, la première à faire une paille? Bah, si tu es la première à finir une maison en paille. Ouais. Ah, d'accord. Ok. Parce qu'en fait, tu choisis une maison en paille quand tu payes que de la paille. Ouais. Enfin, là, tu dis, bah, j'ai de la paille, bah, mon action, je vais construire le plancher en paille. D'accord. Et tu es obligé de mettre toutes les mêmes. Oui, toutes les mêmes ressources. Pour toute la maison. Merci, Vandeldel. Pour toute la maison. Le plancher... Pour toute la maison. Dès que tu as commencé une maison en paille, tu termines celle-là en paille. D'accord. Si tu veux faire succès, tu recommences un autre. Un succès, par le voir. 50. Mmh. Oui. Il va falloir que je change le but. Bienvenue à toi, Vandeldel. Merci de te marquer. Donc, si tu as la tuile là, tu choisis tout de suite. Soit tu pioches un ami, soit tu pioches deux cartes comme ça. D'accord. Soit tu prends le choc, je crois. J'ai bien fait ça. Je crois que oui, c'est une ressource de chaque. Une ressource de chaque, ouais. C'est une ressource de chaque dans la règle. Okay. C'est toi qui choisis. D'accord. Ouais. Je pense que tu as besoin. Ouais. Et la dernière action, c'est quand tu as certains ennemis, tu as marqué action spéciale. Ici. D'accord. Et bah pour une action, tu peux faire action spéciale. Ok. Et tu peux faire autant de fois que tu veux, enfin deux fois quoi. Deux fois maximum partout. Ouais. Ouais. Non, les actions spéciales, tu peux la faire qu'une fois de toute façon. Ah oui, c'est marqué. Oh, tu lis bien. Mais. Si il est, c'est marqué dans la règle, si cette action spéciale te permet d'avoir un ami et qu'il y a une action spéciale, tu peux faire l'action spéciale du nouvel ami. D'accord. D'accord. Ouais. Ah, c'est oui. Marqué. Mais c'est en fait, tu ne peux faire l'action spéciale d'un ami qu'une fois. Mais si tu arrives à avoir un deuxième ami, ouais, tu peux. Alors, okay. Voilà. Petit... À la fin de la manche, une fois que tout le monde a joué. On remplit en fait les marchés. C'est-à-dire que même si il y en avait un qui était ici, on en remet 5, donc il y en aura 6. Là, 4, etc. etc. On reprend du Gugus. Oui. On reprend du Gugus. Et le jeton premier jour passe au suivant. Okay. Ça suit pas. Je suis en train de regarder mon décor, là, il suit pas. Alors, je t'ai dit qu'en première phase, oui. Il y avait la phase de collecte. Donc, quand, au premier tour, tu n'as que ces cartes-là en main. Mais comme je t'ai dit, tu peux récupérer celle-là. Oui. Et mon pif. Et bah, quand tu choisis ta phase de collecte, tu peux en même temps jouer une carte faible. D'accord. Phase cachée. Ok. Donc, ça va se. Donc, avant de résoudre les cartes, s'il y a une carte faible, on va dire est-ce qu'il y a une carte qui dit début de la manche? Non. Est-ce qu'il y a une carte qui fait avant la collecte? Là, oui. Donc, tu révèles ta carte. Et donc, il y a des monstres. Il y a des loups, il y a des géants, il y a un dragon, un grand méchant loup. Et l'effet est marqué ici. Hein. Si un joueur est attrapé par le loup, des trucs. Donc là, à ce moment-là, tu récupères un loup et tu mets une tuile. Et tu joues celle-là. Et c'est la seule, on va dire que c'est la seule carte qui a été jouée. Alors, c'est dans l'ordre des joueurs. Hein. Okay. C'est pour ça que c'est important de la réunion. On a le droit de mettre qu'un seul méchant par endroit. Donc le jour suivant, pas lui. Si c'est la même personne. Non, tu peux pas mettre deux au même endroit. Deux monstres au même endroit. Il faut que tu en mettes un. Si moi je l'ai mis ici, il faut que tu en mettes un sur les deux. Voilà, si tu as joué ça. C'est-à-dire que c'est la seule méchant qui est la seule carte qui était jouée. À ce moment-là, on révèle tous nos. D'abord, tu as choisi où aller le loup. Ouais, j'ai dit le. Ils sont là, les loups. Voilà. J'ai dit, j'ai mis là. Voilà. Pour la blague. Oh non! Là. C'est là. Il y a un joueur. Là. Et c'est bouffé par le loup. Non, si un joueur est attrapé par le loup, détruisez toutes les ressources sur ce lieu avant qu'il puisse collecter. Donc, il n'y a plus rien. J'ai récupéré. Pas le collecte. Il ne collecte rien. Voilà.
Voilà. C'est pas la plus méchante. Le jeu se termine quand un des joueurs a 3 maisons, quelle que soit, tu peux avoir une paille, deux pailles, etc. 3 pailles, mais avec le conjugué. Tu n'as pas le droit de commencer une deuxième paille si tu as commencé une paille et que tu l'as pas fini. Mais par contre, on peut commencer une deuxième. Mais tu peux faire une brique ou une boîte. Ok. Ou et une boîte, si tu veux. Tu ne peux pas faire plus de 5 maisons, de toute façon. Ouais. Attends, c'est pas fini comme t'en fais 3? Si, mais tu peux pas faire plus de 5. Tu veux pas en démarrer. Oui, ouais, c'est ça. Ah. Parce que tu peux très bien, à un moment donné, tu en as fait 2 et puis tu en commences 3. Mm. Tu peux pas faire aucun cas. Et à la fin, le gagnant, c'est celui qui a 3 maisons. Si l'autre n'en a pas, c'est qui remporte. Si tout le monde. Parce qu'on finit le tour. Hein. Oui, on finit le tour jusqu'au dernier niveau. Si tout le monde. S'il y a plusieurs personnes qui ont 3 maisons, c'est celui qui a le plus. Qui est la plus solide, les plus solides qui remportent. Mm. S'il y en a un qui a qu'une brique, moi j'en ai 2, c'est moi qui remporte. Et si c'est ex-aequo, alors il y en a encore un autre. Luca, je ne sais plus c'est lequel. Je crois que c'est le plus loin du premier joueur. C'est le plus proche du premier joueur. Ah, le plus proche du premier joueur. Ok. Je vais construire, les maisons de briques sont plus solides. Et du coup, vous avez joué souvent? On a fait une paire de fois. Ouais. Donc, si deux cochons ou plus sont toujours à égalité, celui des deux ou plus jouant le premier dans l'ordre du tour est déclaré vainqueur. Ok. On prend pas plus bah si, donne-le-moi parce que s'il y a un problème avec les cartes. Ouais. Pourquoi t'attendais pour. Ah, à toi l'honneur. T'as fait 1. 2. Le pétasse. T'as fait 2 fois plus. Hein. T'as fait 2 fois plus. Le 1, oui. T'as vu. Mais bon, il a même fait 6. Bon, on peut relancer sinon. Bah non, on a le. Ouais, on était dans l'explication. On a des témoins. On a des témoins. Merci. Bon. Et si tu as un rappel, et tu la retournes pour. Et on fait quoi du grand méchant qui est parti? On va le remélanger. Oui, il y a une autre carte de sortie. Donc... Faut choisir une réponse. Il est planté, mais rentrez. J'ai même pas vu. Oui. Mais... Attends, je vais voir celui-là. C'est quoi ça? Le chapoté. Je sais pas, toutes les filles que je... qui ont joué avec moi, vous voulez chapoter. Ah, non, je sais pas. Non, ouais, c'est bien. Okay. Elle veut pas le chapoter. Je sais pas, il fait quoi le chapoté? Il avait un bon effet. C'était l'effet qui était bien. Je sais même plus ce qu'il fait. Donc, je récupère pas des ressources d'autres. Donc, c'est dégueu pour les joueurs. C'est moi. C'est toi. Donc, je t'ai bien vu. D'ailleurs, c'est déjà reconnu le premier joueur. C'est pour l'étape de construction et tout ça. Et bah, n'écoute pas, hein. Si, si. Mais c'est aussi pour celui qui gagne. Voilà, donc là, on va y aller. Ouais. Donc là, on récupère. Voilà, et vous, vous récupérez 2 ressources chacun. Vous n'avez pas rien. Donc Thierry, c'est à toi. Je vais construire le plancher, ça se passe bien. C'est du bois. Hein. Ouais. Et puis je vais prendre une carte fable. Salut, voilà. Petit carré. Je vais pas chez lui. J'ai pas osé, je suis con. Je vais prendre une carte faible ici. C'est à moi du coup. Ouais. Je vais construire un plancher aussi en bois. Et j'ai pas une carte. On va tous faire à peu près la même chose. Premier tour, ouais. Je vais bien un plancher en paille, si je vous prie. Et tu peux aller à sa carte. Non, ça c'est pas. Non, c'est un toast. Le plancher il est tout au fond. Merci. Il faudra de la monnaie.
Non, attention, ça c'est bien. Ah, parce qu'il y a... Allez, il fait un des 21 ou 3. Si, et je prends une carte. Hop, et on refilie. Donc là, là, ça va devenir intéressant. Ouais. Et donc, c'est le premier joueur. Qu'ils sont pas repartis, là, c'est quoi ça? Je vais faire. Alors attends, c'est moi le premier joueur. Est-ce que. Bah, je crois qu'on doit révéler tous en même temps les cartes faibles et après on dit comment c'est sa petite. Ouais, c'est sûr. Mais c'est fin de la phase de collecte. Moi, c'est avant la collecte. Vas-y. Alors. Et moi, tout le loup, s'il te plaît. Comment? Je commence déjà avec le loup. Ça fait quoi? Tu glisses par deux les trucs, c'est ça? Ah non, je retire toutes les ressources du lieu. Non. Si, Et toi, Thierry, il fait quoi? C'est à... Moi, c'est la fin de la phase de collecte. Si je suis seul à un lieu, sur un lieu, je peux piquer une carte fable au hasard de la main de chaque joueur. Moi, je joue cette carte sur un lieu et reste en jeu jusqu'à défausser tous les monstres ou être envoyé sur ce lieu. Ok. Avec la mule, je voulais le mettre. Donc du coup, tu vas être obligé de le déplacer? Ouais. Enfin, ou je peux la mettre là. Hein. Oui. Toutes les ressources. Sinon, tous les joueurs sur ce lieu gagnent des ressources de leur choix. S'il n'y avait pas une monstre. Mais là, il y en a. Donc il sera défaussé à la fin. Bon, je vais la mettre là. Puis voilà. Reste là. Ah normalement c'était la tienne avant. Lorsque révélé, mais je voulais la mettre là de toute façon. Je te la mets là, oui. Ça marche. Parce que du coup elle protège du loup, je sais pas. Non, 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 non. S'il avait mis le loup là, le loup arrivait là. C'est ah ça. D'accord. Et donc là on révèle. Oh, non, c'est pas vrai. Je suis parti au bois. Ah, on est tous sur des lieux différents, vas-y. Ouais, mais Charlène elle peur tout là. J'ai fait la naïve en fait. Quand... Et comme c'était un jeu gentil. Je dis que c'est encore trop tôt pour un jeu. Et comme je suis seul sur mon lieu, je peux piquer une carte faible à chaque joueur. Je crois que tu es la seule à en avoir. Oui. Il a été violent le tour là. Oui. Attends, à chaque. Dans la main de chaque autre joueur. Ah oui. Si vous êtes seul sur okay. Un ouais, jeu. Non, pardon. On a bien fait de jouer. Oui. Donc. Ah, le loup, il reste. Non, mais tu laisses, on n'a pas fini de jouer, hein. Ah, encore un tour. Ah oui, c'est défaussé. Ouais. Là. Bah, moi, pour 4, j'ai construit les murs. C'est pour donc, que je collecte pas les bois, mais c'est quoi c'est en... Tu prends une ressource. J'aime. Ouais. C'est pas bon. Okay. Ah, j'ai Pinocchio. Donc au début de la manche, j'annonce à voix haute la carte collecte que je vais jouer. Et si j'ai dit la vérité, je gagne deux ressources de l'un des types produits par celui. Ok. Il faut savoir si je mange ou pas. Et donc la deuxième chose, si je prends une carte. Donc ça va. Il y a une histoire qu'on peut avoir que deux maisons en construction en même temps. Je sais plus. Je vais te dire ça pour le plus ouais. Oui, pour l'instant, ça change. Ouais, je crois que c'était 3. C'est 3 Je vais prendre un bois. Je sais rien en vrai. Tu prends quoi? Un bois. Et en deuxième action. J'ai pris une carte. Ah, t'as pris une carte. Ok, ça marche. Bah oui, il n'a pas eu de ressources, toi. Oui. T'aurais pu prendre deux cartes. Hein. Je vois que t'avais besoin. Oui, oui. Je peux prendre deux, puis j'ai besoin. Je vais prendre un plancher en bois. Je vais prendre deux, mais. Putain, on va prendre deux cartes, mais pas bien. Et du coup, je veux bien deux ressources en échange. Ah non, t'as que le plancher, pardon. Non, t'as le droit. Ah, t'as le droit, ok, ça marche. Mais t'as pas le droit d'en avoir plus de trois, puisque tu peux pas. Et t'as pas le droit d'en avoir deux de même type en même temps, ça tu l'as dit. Okay. Donc on peut avoir trois endroits où construire. Ouais. Tout le monde a joué Non, Thierry n'a pas joué. Non, Thierry n'a pas joué. Moi, je vais me prendre un plancher. Un plancher. Ouais.
action. J'ai pas écouté, je suis en train de réfléchir. Du coup, on peut faire plus de deux trucs différents en même temps. Oui, on peut en faire trois différents. Ah, trois différents. Une paille, il n'y a que trois types. Voilà. Oui, il n'y a pas besoin de. Alors attends, ouais. Donc on reprend tout. Et là, celle doit annoncer. Je veux dire où je vais aller. Je fous de la merde. Et... Vas-y, regarde-nous dans les yeux. Ça va pas t'annoncer beaucoup. Je ne sais pas moi-même ce que je vais dire. Non. Je fais quand même ça, même s'il a pas annoncé. C'est toi la première joueuse en plus. Je vais dire. Bon, le bon. Je vais sur le bon. T'es en train de chercher de savoir s'il ment ou pas. On le dit quand ça? Ah, tu le dis pas? Ah, on le dit pas, on doit pas deviner en fait. Enfin, c'est si moi, quand je monte ma carte... Bah, s'il a vraiment fait ça, il a son effet. Il gagne deux bois directement. S'il a vraiment joué le bois, il gagne deux bois directement. Ok. Mais du coup, tu sais où il joue, donc tu peux peut-être le compter. Enfin, s'il si dit la vérité. D'accord. C'est bon. Alors, on résout les cartes. Hein. Moi, c'est à la fin de la phase de play, donc c'est pas tout de suite. Moi aussi. Ah, bah c'est au prochain tour. Début de la manche, placez ces cartes. Donc on va le dire après. Fais d'abord ton dé. Moi j'ai le droit d'échanger des cartes. Ok. De deux cartes, et je les échange. Ça marche. Échange qui avec avant qui... Ah non, avant qu'elle ne soit consultée. Attends. Bah, c'est trop tard, vous les retourner avant que je puisse le vous dire. Ah oui. Non, c'est des cartes collect que tu fais. C'est des cartes collect. Ah, oui, les cartes faisables. Okay. Attends, du coup ça fait pour ce tour ou c'est pour le tour d'après? C'est pour le prochain tour. Ah, au début de la manche, vous placez cette carte sur le lieu. C'est le prochain tour. Mmh. D'accord. Voilà. Donc là, pour l'instant, phase de collecte, il ne se passe plus rien. Donc, c'est après ouais, nous, c'est à la fin de la phase de collecte. Ouais, je suis au marché du coup. Oh, bah tiens, aussi. Ça avait le coup de nous échanger. Ouais, mais au moins. Du coup, c'est Flo qui choisit en premier. D'accord. Oui, parce... Ah oui, parce que là, on choisit chacun notre ressource. Ouais. C'est okay. Toi le premier qui fait de toi, tu vois. Moi, je prends ça. Je vais prendre celle-là. Hop. C'est bon. Oui, moi, ma carte est ratée, il fallait que je sois seul sur un lieu. Et moi, il fallait que les joueurs ont collecté plus de 5 ressources ou plus. Donc, c'est pas le cas, non plus. Je me suis dit peut-être que quelqu'un va aller sur la paille. Même ça, je te rends. On aurait pu les garder, tu me diras. À toi de choisir. Alors, je vais construire une. Une base. Une base, ouais. Je peux te. La monnaie. Qu'on rend la monnaie dans le jeu. Ah bah oui, heureusement. Je te donne une base. Merci. Et en deuxième action, je vais prendre mon. Les cartes, merde, les guerres. Première action, je te rends la monnaie pour construire un mur. Il y en a 4, hein, c'est ouais. Ça. Et tu pioches un ami. Ouais, et je choisis si je le garde pour moi ou si je te rends ça sur le tien. Il me dérange pas plus. Le mien, il est pas terrible, mais je m'en fous. Elle est très bien, la mienne. J'ai la méchante reine. Au début de la manche, avant que les cartes fables ne soient révélées, je choisis un joueur, je consulte soit sa carte collecte, soit sa carte fable avant de jouer mes propres cartes. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est bien ça. Et en deuxième action, je vais piocher une carte folle. Ben, moi, je vais aussi faire un mur en paille. Alors, le chat, ça vous fait comme jeu déjà ou pas? Un mur en paille. Ouais. Et il a fini de copier sur moi, tu vois. Au moins, on trouve personne. Moi, j'avais même assez de paille avant de. Un mur en paille, s'il te plaît. Un mur en paille. Comme je connais un ami. Oui. Enfin, je prends le premier de la pile. Hein. Non, mais tu peux le donner à l'indomné. Même à Charlène, non le petit chapeau en rouge. Défausser les 5 premières cartes de la page folle, gagner toutes les cartes lancées, défausser. Si aucune carte lune n'a été défaussée, piocher une carte folle. Tu peux défausser le petit chapeau en rouge par annuler l'effet d'un loup ou du grand méchant loup. Tu veux le garder? Ouais. Ok. Même c'est une deuxième action. Oui, je prends une carte folle.
Ah bon, ça va être facile, je vais prendre deux cartes. Et donc, là, il faut que tu joues ta carte pour le prochain tour. Ah oui. Bah, du coup, je dis à tout le monde, oui. Bah, c'est au début de la manche, ouais. Tu places cette carte sur un lieu. Carte sur un lieu à la fin de la phase de galette, tous les joueurs sur ce lieu gagnent 3 sur 2. Avec le numéro de l'arrière, du coup. Ah bah. Tout le monde voulait vous en mettre un monstre dessus. Peut-être ça aussi. Oui, donc du coup personne ne voudra y aller parce que tout le monde va se dire il va y avoir un monstre dessus. Mais qui dit que quelqu'un a un monstre dans sa main? Sur la paille du coup. Non, tous les joueurs sur ce lieu gagnent 3 ressources de leur choix. Il faut cette carte à la fin. C'est sympa quand même, hein. Et ouais, puis, il y a énormément de paille aussi. Voilà, donc jour suivant. Alors attends, sinon ma faut que j'ai dit ma bêtise. Oui. Oui, tu vas dire où toi. Sur la paille. Il reste là, c'est un ami. Oui, oui, c'est un ami, moi. J'ai joué sur la paille. Moi, j'attends que vous ayez joué, il faut que tu consultes la carte de quelqu'un. Avant de jouer mes cartes. Qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai déjà choisi, c'est toi que j'ai regardé. Je vais te regarder tout de suite. Je regarde ta collecte, je regarde pas ta faute. D'ailleurs, vous aussi, vous aviez un paquet de cartes cachées sous le terme de formage. Je m'en souviens plus. Allez. Je m'en souviens plus, je t'avoue. Je crois que c'est... Non, c'est bien, je sais quelque chose. Il y a la carte. Ouais. Fin de la phase. Il y a un troll. De la phase de collecte. Moi, il faut que je pose un troll tout de suite. Il fait quoi? À la fin de la phase de collecte, je choisis un joueur sur le lieu du troll du pont. Il doit me donner la moitié des ressources qu'il a collectées à ce tour. Arrondi à l'inférieur. Donc, je veux bien le troll, s'il te plaît. Non, le troll, c'est celui-là ou c'est une autre. Bon, ça doit être celui-là. Charlène, t'as pas joué de cartes, toi? Non. Il y a un troll qui attend ici. Pas le bon plan de. Bah, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont jouer dessus. Pourquoi tu me regardes? Je suis plus naïf. C'est quoi déjà ton truc? Il y a un des joueurs de la phase de collecte. À la fin de la phase de collecte, je choisis un joueur sur le lieu qui doit me donner la moitié des ressources qu'il a collectées à ce tour. Oui. Ah zut. Moi je vais dans la forêt. Oh merde. Remarque heureusement du coup que j'ai laissé celle qui allait. J'ai pas menti moi. Oui. Donc tu reçois deux ressources de plus. Bah oui, mais c'est à toi déjà. Enfin, c'est à vous de. Donc divisé par 3, ça fait 2 ressources chacun. Ouais, c'est ça, il en reste 2. On est bien. Moi j'ai tout juste. C'est pas terrible, du coup ma carte n'a pas effet. J'ai tout juste pour en venir au mode. Là t'es une sur un lieu, dommage. Tu gagnes quand même plus que lui. Oui. Enfin, il y a 3 ressources de leur choix. Ouais, donc, je gagne 10 ressources. Ouais. Plus 2, ça fait 12. 3 pourquoi 2? Ah oui, et plus 2, 3. Et plus 3 de son choix. Et plus 3, ça fait 5. Ah, tu prends que de la paille aussi. Parce que là, tu peux prendre ce que tu veux. C'est 3 ressources de ton choix. Ouais, donc. Ça fait 12 pailles minimum. T'as 12 pailles plus 3 autres. Tu vas redonner la moitié à. C'est ça. À Flo. La moitié de ce que tu avais collecté à rendu à l'inférieur. Donc ça fait 6 pailles et une wick. Merci. Je suis bien. Moi, t'as joué toi? Enfin, t'as ta carte. Ma carte, elle l'a pas effet, j'étais pas tout seul. Tu peux échanger 2 ressources d'un type pour 3 ressources d'un autre type. Ah, 2 contre 3, c'est intéressant ça. 3. C'est pas mal. C'est pour ça que je suis allé là-dessus. Voilà. Bon, c'est bon, ça s'est fait. C'était le marchand ambulant en fait. Ouais. Dans le bon sens, s'il vous plaît. Donc, première chose, c'est moi qui joue. Je vais construire le toit en paille. Le toit. Et donc, vu que je suis le premier, je récupère ça et je vais prendre 2 cartes faibles. Ah, tiens. Et deuxième, troisième, je construis le mur en bois. Ça, j'ai plus de ressources, on ne viendra pas m'expliquer. Je choisis un ami. Je cherche un point, un ami. Et je peux lui
Si je le garde pour moi ou si je le passe. Attends, on va regarder tout de suite, hein. Je m'en souviens un peu. Regarde quoi? Ben, ils disent qu'il y a peut-être un truc supplication de motion extrêmement formant. Non, il y avait, j'ai dû le faire parce que j'ai déjà rangé le truc. Hein. Eh bien, mais... Je m'en souviens plus. Allez, Seth, tu vas changer. Tu vas devenir des 7 nains. Tu vas être sur votre jeu, gagner une action supplémentaire. Ça me va aussi. Hein. Ça oui, elle était bien. Elle est bien, ouais. Ouais, j'arrive tout seul sur son lieu. Ouais, bah... Pour l'instant, j'étais toujours tout seul sur mon lieu, quoi. Donc ça m'embête de lui avoir donné. Ah oui, c'est dangereux qu'il est là, en fait. En même temps, toi, ta carte, elle est pas très bien. Et la mienne, elle est très bien. Je m'en souviens plus, le petit carré. Mais Charlotte n'en a pas, donc je voulais pas lui en donner. Oh, elle est pas bien, elle est pas bien. Je vais faire son action spéciale, je défausse les 5 premières cartes de la porte de pioche fable, je regagne tous les loups. Gros méchant loup. Il y en a pas. Du coup, je récupère une, c'est comme si j'avais demandé une carte pioche fable. C'est ça. Voilà, et puis je vais prendre un bois. Tiens. Ensuite, t'as fait. Bah, moi, je vais construire le tour. C'est marrant. C'était prévu. Ouais. Et donc, je récupère ça. Ouais. Je récupère quoi? Ah, moi, je vois. Attends, j'ai choisi quel j'ai, génie. J'ai fait qu'une action. Ouais. Ouais, je récupère deux cartes fables. Je suis bien la traîne. Et ensuite, deuxième action, bah, j'ai construit le sol. Ouais, le sol en paille. Toi, t'as carburé dans le temps. Ouais. C'est toi, toi. Ah, moi. Ouais, je t'avoue, prendre les ressources à faire. Prendre un bois et construire un bois. Ah oui, non, c'était un bon coup. Mais du coup, je vais bien le prendre, je vais donner ça. Prendre un bois. Et donc, tu pioches un ennemi. Et je te le donne. Et tu peux garder pour toi ou filer à quelqu'un. Ok, mais du coup, si... Mais j'en ai pas, si je le garde pas. Bah, t'en as toujours pas. C'est bien ça. Donc, tu l'as le petit carré? Ouais, du coup, on voit ce que t'as. Vos adversaires doivent payer une ressource supplémentaire pour construire des murs et ils doivent vous donner cette ressource. Et bah, je suis content d'avoir construit le mur. C'est vraiment ça. C'est que pour les murs. Ouais, c'est Thierry, premier joueur, et on récupère une carte. Ça, c'est cool. Ça, ça c'est des fossés. On remet des ressources. Pour enlever le troll. Le troll, tu peux le mettre dans un coin. Même s'il risque pas de repopper, parce qu'il est qu'une carte sur le truc. Il est pas dans le 6, donc. Il est pas sûr. C'est du 6. C'est parfait. Bah pour du 6, c'est 3, hein. C'est 2,5 pour le doux et 4,5 pour le brut. Donc là, on est encore au-dessus du brut. T'as pas le droit d'en boire. Je peux faire un chocolat. C'est pas dommage, tiens. T'es pile. Alors, je vais regarder la carte de Thierry cette fois-ci. C'est toujours le même. Attends, je peux le voir. Non, mais j'ai le droit de regarder Thierry avant de jouer, moi. Je choisis toujours le mauvais endroit. C'est un truc. Non. Alors déjà, lorsque révélé, toutes les cartes m'ont joué ce tour-ci sont sans effet. Je les gagne et j'y ajoute un amour. Pas de monstre. Dommage, pas de monstre. Ah bah on a le même. C'est lequel ça? Ah bah la collecte et les adversaires qui partagent votre lieu mélangent toutes leurs cartes collectes. On sélectionne une aléatoirement et se déplace sur le vieux poste. Oh le bordel. D'abord que Seb va jouer la même commande. Et que je joue en premier. Il joue en premier. Donc il va m'envoyer ailleurs et puis moi je vais peut-être mélanger les cartes de tout le monde. Que ce qui reste, ça va revenir sur moi en plus. Ça va être des chats militaires.
Je suis bien content de jouer en dernier cette fois-ci. Donc moi je vais au bois. Je vais à la paille. Brique. À la brique. Oh bah ça va. Bon, il y a juste si tu envoies Charlène chez moi, moi je peux la renvoyer chez toi. Bah en fait. Donc Charlène, tu mélanges ta carte là avec les autres. Et tu la mélanges. Et puis tu vas là où. Toi qui bien chez moi. On raconte juste cette au hasard. C'est où? Ah bah, chez moi. Oh bah parfait. Bon bah moi du coup elle a pas d'effet. Donc ça c'est toi, pourquoi elle a pas d'effet du coup? Parce qu'il fallait que quelqu'un soit sur ma case. Ah, moi je vais tirer tout le monde. Hein. Ok, ça. Ouais. Du coup. Donc les murs coûtent un de plus, c'est ça? Ouais. Et la retour, tu la payes à Charlène. Vas-y. Bah, je collecte un bois. Puis je dépense 5. Je te redonne un bois. Et tu reprends un ami. Ouais. Et tu peux peut-être le donner à Charlène si t'as pas marre de payer les ressources. Ça dépend de l'ami. Peut-être qu'il est mieux que le petit chien. Et le poisson, il est mieux en bois. Ah oui. Salut maman Pondel, bonne soirée. C'est toujours la même personne. Non. C'est bien dans ce que vous voulez. Mais comme je suis sûr. Moi j'ai pas de mur à faire dans les personnes que je côtoie sur mes lives. Moi non plus. C'est là où il a une troisième action, c'est quand même. Il peut avoir une troisième action s'il est tout seul. Oui. Là pour l'instant, il n'y a pas de troisième action. C'était pour ça la carte en fait. La une chance sur quatre, pas de balle. La méchante entraîne aussi, c'est bien. Non, elle a pas bien la méchante entraîne. La méchante entraîne, c'est systématique. Si vous êtes dans un lieu avec un autre joueur, défaussez le train de grenouille et gagnez un ami qui a des fausses. Oh bah je peux la récupérer, c'est bon. Gagner un record de votre si oui. Ah, oui. Tu gagnes le dernier du coup enfin, non, je gagne. Ah oui, c'est vrai que tu le récupères. Je gagne n'importe quel ami de la défausse. Tu choisis en fait. Ouais. Ah oui, comme c'est marrant, lui. Et en plus, je gagne une ressource de mon choix si je le fais. Bon, ouais. Du coup, tu lui fais des cadeaux en fait. Oui. Oui, t'as des cadeaux. Il est gentil, Thierry. du coup, c'est à toi, Thierry. Bah moi j'ai défoncé deux ressources. Une autre maison en briques. Et puis. J'ai combien de temps ça fait. Du coup ça va. Ouais. Je construis un mur en briques. On perd un ami. Non, un ami. Oui, un mais ami. Je prends aussi une carte pour la main. D'accord. Pardon. Attention, hein. Pas de panique. Alors, tu le gardes ou tu le jettes? Ah oui. Non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. C'est ça. C'est pas mal aussi. C'est énorme même. Mais en fait, les effets sont souvent très bien. Après, il faut que tu choisisses si le tien est suffisamment bien ou pas. Non, mais il est nul en fait. Nous, ça nous arrange. Là, oui. Ça, tu la jettes? Tu la jettes. Ouais. Ouais. Moi, je peux la récupérer. C'est nul. Hein. La tienne était mieux. À la fin de la phase de collecte, tous les adversaires qui ont votre lieu doivent vous donner une carte faible de leur choix. S'ils ne peuvent pas, ils doivent vous donner une ressource de leur choix. Ouh, elle de votre choix, pas. Elle est violente. Ouais. T'as fait qu'une action, je crois. Non, j'ai pris une carte. Ah oui, t'avais pris une carte faible. Première action, je fais le tour en bois. Voilà. Je récupère ça. Ouais, je vais reprendre. Il n'y en a plus de dispo. Hein. Ah, je vais prendre. Ouais. Ça rapporte pas de points à la fin. Je vais prendre une ressource de chaque, s'il te plaît. Ça n'a pas été avantage quand même. Mais... Ouais. Surtout qu'il ne reste plus qu'une maison. C'est ça. Et du coup, en deuxième action, bah, je vais faire le plancher en brique. J'y vais direct, hein, j'aime ça. Pas de temps. Pas de temps. Tu vois, j'avais raison. Hein, tu... Du coup, on aura fini de voir la vraie. Exactement, on va trancher tout. Voilà. Alors, faut que je trouve où les joueurs vont jouer. Attends, je vais vous acheter.
si je me fais. Allez, t'en fais. T'es plus avec elle. Oh non, c'est bon. Non, c'est bon. J'ai fait des regards avec des doigts comme ça. Je peux plus regarder les cartes des autres. Ouais, tout ça. C'est bon. C'est bon. Ouais. Personne n'a ainsi. Ainsi. Alors moi j'ai trop de pompons, donc j'ai mis. Ah mais il y en avait un deuxième. Oh, je voulais mettre mon grand méchant loup ici. J'ai le grand méchant loup. Passe-moi le grand méchant loup. Il fait quoi déjà? Chaque joueur qui a le lieu du grand méchant loup doit détruire une section de, ma... de maison en paille ou en bois de votre château. Toi, c'était à la fin de la fois. Ah, c'est celui qu'il faut défausser la moitié de ses ressources. Le prochain tour. Putain, le grand méchant. Le... voilà. Marché. Je veux au marché aussi. Ah, il y a 7 sur la paille. Ouais. Ah non, moi je suis sur la brique. Je suis pas des mais tartes, c'est ouais. Juste défausser. Ouais. Pas oui, toi ça va, c'est le marché. Ça, c'est le loup qui fait défausser un marché. Ouais. Donc, je récupère ça. Ensuite, un joueur, si vous voulez, vous devez vous donner. Thierry, tu donnes la moitié des ressources que tu as collectées ce tour-ci. Des ressources que tu vas collecter ce tour-ci. Donc en fait, il y aura une moitié pour le troll. Et... déjà, vous avez déjà une ressource de chacun. Voilà. Et ensuite, c'est Charline qui choisit en premier sa ressource. Allez, on sait ce qui reste. Ouais. Et Thierry, tu prends quoi? Je voulais ouais. De m'intéresser. Et donc, tu donnes la moitié de ce que tu as reçu. C'est qui qui choisit? C'est ouais, toi. Tu donnes déjà une brique, parce que tu en as reçu deux, et après, tu choisis entre le blé ou le bois. Non. Ouais. C'est ça. Hop. Non, on laisse. Et vu que je suis tout seul, j'ai droit à une action supplémentaire. Parce que je n'ai pas rappelé, c'est que les monstres ne comptent pas sur celui de Divide. Moi, je suis pas avec un autre joueur, j'espérais être avec un autre joueur. Ouais, par contre, tous les adversaires sur votre lieu doivent vous donner une carte face dès lors. J'en ai pas. Et bah, une ressource. Ah, de mon choix, du coup. De mon choix. Ah. C'est quoi que. Oui, bah, une vie, ça va. Merci. Je vais faire je vais faire ça. Mais c'est lui qui va mourir. C'est lui qui va gagner. Je fais ça. Je récupère. J'aurais jamais choisi le bon endroit. Ah, c'est le bon endroit pour les autres. Ah, c'est quoi ton nouveau pouvoir? Une fois par manche, je peux révéler au hasard l'une de mes cartes collectées non jouées. Je vais sur le lieu. C'est bien. C'est après la révélation des cartes collectées. Donc si tu sens que ça va pas, il me reste. Tu peux changer à chaque fois. Ouais. Il me reste une action. Et il révèle une carte au hasard, donc il sait pas où j'ai atterri. Okay. Il serait juste où il sera pas. Okay. Ça dépend. Non, parce qu'il ne mélange pas. Ouais, il remélange pas la carte. C'est pareil, ce barrière à toute vitesse, mais c'est pas bon. Mmh. C'est la fin de la phase de collecte. Hein. Wow. Oui, c'est ça que j'ai regardé. Si vous voulez aller, que j'allume. Ah, ouais, ouais, comment ça va? Ouais. Ouais, je vais partir sur le thé. Sur autre chose. Ah, je pense qu'il doit être bien. Je vais prendre une carte femme. Je pense qu'il doit être bien. Merci. Ouais, ça va. C'est à moi.
Alors, première action, je prends une brique. Deuxième action, je rends mes briques pour faire un mur. Et donc, tu pioches un ami. Exactement. Mon ami est bien, mais ça en veut bien non plus. Il faut que je sois sur un lieu avec un ami. Oh, c'est bien ça. Après, peut-être que ça peut embêter plus quelqu'un. Tranquille, pour moi. Ça fait quoi? Au début de la manche, je peux prendre une ressource du lieu de mon choix. Hop. C'est une ressource sûre. Chérie, je vais partir. Oui, ça se construit, les petits caribous. Moi, je construis un toit en paille. Et puis, je fais l'action spéciale du petit chapeau en rouge. De loup. Donc du coup je récupère tous ou bah, je sais pas, du coup. C'est une carte à la carte d'après j'ai là. Quand il publie les cartes loups ainsi des fois c'est. Sûr, tu gagnes les deux loups. Voilà. Vous savez. Tu vas jouer des loups. Tu vas te manger. Et en deuxième action. C'est ah bah non, t'as fait les loups. Et ben voilà, on récupère. Pour que le loup se fasse, il faut que tu aies que une base de maison, c'est ça? Non, ça c'est le petit loup, ça, c'est pas le grand loup. Le grand loup, il détruit une section. Et ça, c'est le petit loup, il détruit toutes les ressources. Oui, il détruit toutes les ressources. Ça, c'est le petit loup, ça, c'est le grand méchant loup. Bon, le grand méchant loup, il est beaucoup plus violent. Ouais, il détruit une section, ça veut dire que même si ça construit les murs, il détruit une mur. Ouais. Bon. Début de la manche, déjà, je récupère une nouvelle source du bio, une fois. Alors, c'est bon, tu veux gagner. Non, mais pas sûr, hein, parce qu'il y a l'autre qui pique à moitié des ressources là-bas, donc. Enfin, du lieu. Il n'est pas dessus. Il faut que tu. Il soit en commun avec elle. Ouais. C'est en commun avec elle. Alors, où est-ce que tu vas jouer? Oh, je sais. Ouais, t'as fait ça. Bon, ça, c'est sûr. Pas tardi jamais, tiens. Parce que je pense que tu vas changer de lieu. Au hasard. Des cartes de déjà. Oh, un loup. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est étonnant, ça. Moi, à la fin de ma phase de collecte, je donne 3 ressources d'un type à un autre joueur. Et ce joueur doit vous donner le même nombre de ressources d'un autre type en retour. Ok. Moi, je prends 2 ressources de mon choix, l'un de mes adversaires sur mon lieu. Ok. Il est plus méchant. Hein. Et le loup, il détruit quoi? Ah, ben il détruit le bois, le loup. Il a des idées en plus. Voilà, donc on révèle nos cartes collect. On est tous sur la paille. Sauf celle qui est sur le bois et qui va atterrir sur la paille. Ah non, je pense que c'est sauf le bois. Vous révélez au hasard une de vos cartes collect. Ah non, je veux. Donc c'est vrai, mais... ouais. Du coup, j'ai une carte fable. Attention. La paille. Ouais, c'est un super tour. Du coup, le loup ne détruit pas les ressources parce qu'il n'y a personne dessus. Le joueur est attrapé par le loup, il détruit toutes les ressources. Voilà, oui. Le loup n'a pas d'effet. Par contre, c'est une chose qui m'a à la fin de la phase de collecte. C'est déjà qu'on s'en passe dans notre lieu. C'était toi la première joueuse en plus. Hein. Non, mais c'est ceux qui, ah, sont, c'est pas ceux qui ne sont pas sur, sur ton lieu. Ah, bah ça va, il se passe rien. Bah voilà, il se passe rien. Et par contre, vous êtes avec moi. Oui. Vous me donnez une carte fable de votre choix. Et si vous n'en avez pas, il faut me donner une ressource. Remarque, si je veux pas donner la carte de feu, non, t'es obligé de donner. Une carte. Moi, je cherche ce que je te donne. Je vais te donner de la paille. Ah, t'as pas de fable. Non, j'ai pas de fable. Ah, merci. Et donc, on collecte. Et il y avait ça aussi, donner jusqu'à 3 ressources. Ah, donc, on collecte chacun une paille. Ouais. Ouais, et c'était qui tout double. Il reste une paille au milieu. J'arrive jamais à choisir ce que je veux, les autres, pourquoi je peux dire. Et ça, c'est la paille. La malle là-bas. C'était là-dedans. Ah non, c'est la mienne. J'en avais une.
Et je peux révéler le nom de cette personne. C'est ensuite, possible. C'est d'abord ouais, Charlotte. Tu peux échanger 3 ressources avec un autre joueur. Je veux bien. Non, elle est où la tienne? Oh, c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Je sais pas ce que t'en as fait. Tu l'as pas remise en main? Non. C'est quand j'ai dû reposer mes cartes ouais. Pour mélanger, j'ai dû les remettre dessus. Voilà. Donc, Charlène d'abord, jusqu'à 3 ressources, et tu les échanges contre un autre type. Là, du coup, c'est forcément la même. Ouais. Non, soit un autre type. Et bah, tu m'as donné 2. Oui. C'est un seul type. Un seul type. D'un autre type. Et celle, tu prends 3 ressources de ton corps. Ouais, 2 ressources, c'est le ah, 2 ressources. Merci pour les détails. Et donc c'est Charlène qui commence. Oui, il faut que tu prennes en main une deuxième partie nécessaire, tu verras la deuxième. Ah ouais. Ah, moi j'arrive pas dans le jeu. Je sais pas, c'est une catastrophe. Enfin, c'est pas comme le hasard, faut un peu de déduction de bluff. Mm. Les cartes fables. Oui, je suis très mauvais pour ça. On rigole. Je vais prendre une paille et construire un plancher en paille. Donc, on peut faire un plancher, donc ça sera plus possible de construire. Quand il n'y en a plus, il y en a plus. Ah ouais? Donc, comment on fait pour construire? Eh ben, tu peux prendre du bois ou de... tu prends. Il en reste encore. Ben, je, reste prends, un, il reste je vais un. Prendre une paille et je vais construire un plancher en paille. Bah, ouais, ouais, ouais. Attends, débrouille-toi avec ta paille. Tout le monde m'en va. Je vais chercher le loup. J'ai dit un loup. Et t'en as déjà un en bas. Non, j'en ai plus, on me l'a piqué. Ah bon. C'est elle qui l'a. Il suit. Il va y avoir un loup, voilà. Ça veut dire qu'il va y avoir plein de loups au prochain tour. Génial. Et puis enfin, ben, je vais récupérer de la paille, ça sert plus à rien, ben, un bois. Mais... plus personne ne doit récupérer de paille, ça sert plus à rien. Comment? Il y en a qui. Ah oui, ouais, non, tout le monde sauf moi en fait. J'ai pas grand chose à faire. Donc ça, c'est vraiment bon. Je vais récupérer une brique et une carte. Oh, j'ai eu la pioche. Oh, tu vois, toi, quand il n'est pas là. C'est celle qui peut avoir gratos. C'est celle qui peut avoir gratos. Hein, donc, Il va y avoir 3 loups en jeu à la prochaine manche, ça va être génial. Sachant que moi, je peux encore esquiver si je veux. Tiens, d'ailleurs, le loup là, il se barre. Hop. Moi, on va réinitialiser. Ouais. Je vais remettre. On va le faire. Oh la vache, je suis bien. Le but de la manche, c'est le truc qui me brille. C'est ton effet? Ouais. Le but de la manche, je peux prendre une ressource du milieu de mon choix. Comme ça, je lui laisse de la paille, du coup. Pas de la paille. C'est bordel, avec les cartes de pommes, mais ça va être possible. J'en ai pas. Il y a 5 loups en face, il y a un loup ici. C'est quoi? On va faire vite une bulle parce que là, ça va être n'importe quoi cette manche. Tu vas périr là où l'attends pas, t'es vu? Non, mais c'est pour ça. C'est toi le premier joueur en plus. Ouais. Et t'as pas de carte de femme? Non. T'as pas de cheveux, toi? Non. Je t'embête les autres, je peux pas tout faire. Bah t'embête les autres, t'embête pas trop si t'as pas de carte femme. Bah j'embête Thierry, je fais que le dernier plan, je vais me pailler. Pour Thierry, il est parti de pan. Ça y est, il m'a débouffé. On a un DLC en direct, ça va me faire des vues.
Le deuxième est dans les toilettes en train de se pendre. En fait, on fait un plumé qui a tué l'autre avec une carte cochon. Pas bien, un chocolat de travers. C'est horrible ça. C'est comme moi la soirée de flair. Hein. J'aimerais pas m'en remettre. Hein. Ah oui. J'ai bien vu. Mais tout. D'ailleurs, j'ai bien fait 4 joueurs. Attends, il respire pas là. Ah, si, c'est bon, c'est bon. Là, tu t'es pas pendu, ça va, tu vois bien. Non. C'est pas fait. Il a failli mourir, on dirait. C'est pas fini. En même temps, il le mérite parce qu'il t'a pas dit. Mais... Donc, c'est Flo qui est le premier joueur. Donc bien sûr qu'il le mérite. Donc, tu choisisses les cartes. Ah oui. C'est mieux si t'as les 4 en main. Non, c'est ce que tu joues pas. Il a fait au hasard. Hein. Oui. On a vu ce qui allait tomber. D'ailleurs, celle-là. Celle-là, c'est un loup. Mais il le savait, c'est pour ça qu'il a pris au hasard. C'est pour ça. Et si j'ai bien compris, il y a 1, 2, 3 loups, donc... Ok. Bon, ouais, ça, que les loups sont... Que les loups sont la belle. Bah, moi non plus. Ah bon. Moi, c'est un dragon. Ouh, bah, c'est peut-être pas mieux. Encore pire, même. Tous les joueurs sur les loups vont défoncer toutes les ressources de leur plateau. Quoi? Ça va, j'en ai pas beaucoup. Mais de quoi? Des, ceux qui sont sur le lieu du dragon doivent être ce que tu peux retourner. Sachant que Thierry... Ah bah Thierry a placé son loup ici. Ok. Et toi c'est avant la collecte aussi. Ouais. Si je suis sur un lieu avec un monstre, je peux aller faire un autre lieu de mon choix. C'est pas mal. Et si aucun monstre n'a été joué sur ma place ou sur toutes les places? Aucun monstre n'a été joué. C'est s'il n'y a pas de monde du tout. Ouais. Bon, moi je suis sur la paille. Je vous vois. Moi aussi. Moi je change. Est-ce que j'étais sur la paille? J'étais sur la paille. Ok. Et du coup, tu prends une carte de pile. Le bois. Oh non. Oh mais non. Ça va, ça fait 4 chacun, c'est déjà pas un. Ouais. Moi ça, ça détruit. Hop. Ah, j'ai pas vu l'effet du dragon. Je peux pas aller. Et ça, c'est toi, premier joueur. Je pensais que personne n'allait le dire. Ben moi, je peux annuler un loup. Non, non, je vais prendre 2 cartes, femme. Non, j'ai rien d'autre à faire. Bah, je la défausse. Je la défausse. Fin de la phase de collecte. Tous les adversaires sur votre lieu doivent vous donner une carte femme de leur choix. Oui, moi, ça va, je suis pas là. Et s'ils ne votent pas, ils vont sortir de leur choix. Oui, du coup, tu disais parce que je t'ai copié. Je sais même plus. Il n'en peut plus. Ça m'a fait penser que je devais te voler quelque chose. Je sais plus. C'est pas ça, Thierry. Ça, Thierry. Bah, je prends un bois, je construis toi, comme ça on me dépiquera pas. Ça fait rien d'autre. Hein. Désolé, Thierry. Après, il y a autant de fois que de base, une fois que tu as construit une base, tu es sûr d'avoir un toit. Ouais. Ou pas? Oui, je crois, oui. Pas, je pense. Non, mais c'est le même nom. Un mur base. Je vais prendre une brique et je vais construire un mur. Il y a encore des sols de briques? Ou ça aussi disparu? Non, là. Ah oui, c'est là. Okay. En fait, j'ai eu un ami, j'ai fait mes deux actions. Il cherche à qui il le donne. Tiens. On t'aime pas que j'ai récupéré une ressource au début de chaque action. Mais j'avoue que j'aurais bien laissé tenter ça. Il doit jouer la première carte de la pioche femme comme sa carte est femme sans la consulter. Au revoir. C'est sympa. Ça va, Charlène. Moi je vais payer pour un poids en bois. Voilà. Et je vais collecter un bois. Merci. Merci. Celui-là, je ne le mets pas très très loin.
Oui, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Je crois qu'il y en a quelques-uns à ma gauche. Et donc, je fais lire un joueur. Ça va être Charlene qui va tirer la première carte de la fable et ce sera la carte que tu verras si tu ne pourras pas jouer d'autres cartes. D'accord. Et ça, on ne sait pas ce que c'est. Il fait des armes, du coup. Ouais. C'est tirer le premier joueur. Ça peut te desservir aussi. Ça peut me desservir, mais tu ne peux pas choisir, donc tu ne sais pas ce qui va se passer. Bon, mais non. Non, je peux récupérer une ressource de mon choix. Tout est bien. Pardon? Ouais, c'est sûr, ouais. Thierry, tu veux des mots? Non, je suis bon aussi. C'est bon? Donc, les fables sont révélées. Alors, qu'est-ce que tu as tiré? Si cette carte sur le plateau de joie devient un nouveau site de construction, le coût de cette section que vous construisez est diminué de 1. C'est pas mal. Oui, pas mal, bien. Et moi j'ai le géant. Il me faut le géant s'il te plaît. C'est quoi? Tous les joueurs sur le lieu du géant doivent défausser leur ami, toutes les cartes femmes de leur main et une ressource de chaque. Putain. On va la jouer où? Là. Non. Non, pas cette fois. Pas cette fois. Ouais. Oh, on écoute sur la nuit. Ah la vache. C'est nul. Je pensais 3 mais pas 4. Ouais. Ce qui fait son effet. Parce qu'il y a... Quoi, il peut se barrer ailleurs. Du coup il peut aller chez le géant. Oui, c'est le risque qu'il y a. Mais pas tenté. Ça, j'aimerais bien qu'il s'en aille. J'aimerais bien qu'il s'en aille. Peut-être toujours plus faire ça. Non, je vais rester là. J'aurais bien aimé qu'il s'en aille. J'avais pioché. Ah bah j'aurais pioché celle-là. Donc, ah, bah, voilà. Donc, donc c'est 2 briques chacun du coup. Ouais, 2 briques chacun. Et voilà, c'est... Comment tu veux avancer dans ces conditions? C'est Thierry qui est en train de faire. Parce que je suis pas tout. Il y en a combien? 9, il n'en faut plus qu'une. Ouais. Et du coup, vous devez tous me donner une carte femme. Non. Une ressource. En plus. 2. 2. Merci. Oui, putain, il y a encore ici. 2. J'ai dit au moins, je pourrais faire un seul. Donc, tu pars. Oh, c'est horrible. Il n'a rien et tout. Mon géant, il n'a pas d'effet, je suis fait ça. Et à toi Thierry, non? C'est toi pour les joueurs. Il y a deux ressources de mes... Ouais, mais c'est chaud de les avoir les deux dernières. Alors, je t'ai filé l'autre, hein, parce que... Tu serais parti, ça aurait été plus simple. J'ai réfléchi, je me dis, même si... J'avais 2 chances sur 3 de ne pas tomber à côté. Ouais, je récupère une brique. Ça m'aurait arrangé de tomber sur la paille. Bah oui. Et puis je fais un seul en brique qui en reste. Et tu serais parti, j'aurais mis. Il prend un seul en brique. Un seul en brique. Le dernier. Ok. Assez bon. Non, seul en bois. Et puis, une carte femme. Oh, t'es vraiment pas loin, toi. Moi, je vais pas se faire. T'as dit quoi? J'ai dit, il est pas loin. Non, il y a 2 ressources. Ça va? Oui, c'est à toi. Je pêche une brique et je te donne ça pour ce moment. Oh, là, bon. Heureusement, parce que j'avais plus de briques. Je vais prendre 2 briques. Je t'en rends une, ça fait 3. Et voilà. Exactement. C'est pas un bilan. Début du tour, je dis que c'est moi qui pioche une carte et je la regarde pas. Ce sera la carte que je ressource. Attends, parce que j'ai oui, pas encore fait. C'est moi qui suis là. J'ai pas encore fait le remplissage. Après, peut-être qu'elle va me desservir, j'en sais rien.
Ça, ça disparaît. Bon, de toute façon, c'est bon, ça gagne. Bah, à part, il y a des effets de monstre ou je sais pas quoi, et où il faut pas que je sois sur le lieu de quelqu'un ou des effets comme ça. Si c'est pas le tour, ça, ça sera le tour d'après. Bah, par exemple, si tu tombes sur le lieu de Tyrannel, tu lui donnes une ressource. Bah, j'ai encore une ressource, donc ça va, j'en ai une en réserve. Ou ton loup pour l'embêter, mais de toute façon tu peux pas, de toute façon, si c'est un loup. C'est un loup normal, non. Alors, jouer cette carte sur un lieu, et le reste en jeu jusqu'à être défaussé. Fin de la phase de collecte, tous les joueurs qui ne sont pas sur ce lieu doivent défausser une ressource de leur choix. Défausser les noces royales si aucun joueur n'est présent sur ce lieu. Tous les joueurs qui ne sont pas sur ce lieu doivent défausser une ressource de leur choix. Donc, je vais la jouer là. T'as pas? Moi ouais, c'est la fin de la phase de collecte et toi c'est donc c'est tout de suite. Tout de suite que tu vas mettre un loup. Tu fais un loup. J'en fiche de toute façon. Moi le loup il me gêne pas. Il peut gêner d'autres personnes. Et moi je prends la moitié des ressources arrondies à l'inférieur d'un lieu sur lequel personne n'a collecté lors de ce tour. Ok. Ah oui, c'est fini. C'est deux chacun. Ouais, deux chacun. Peut-être que t'aurais vraiment besoin de moi. Et nous, on a... Je crois qu'il y a plein de choses. Moi qui... j'ai ça. Ouais. La moitié. La moitié, oui. La moitié. Ensuite, Seb, tu dois donner une carte faible à Charlène. J'en ai pas. Donc tu lui donnes une ressource. Un bois. Et ensuite, tous les deux, vous devez défausser une ressource parce que vous n'êtes pas sur le sur la brique. Oui, bye. C'était prévu. Oui, oui. T'as pas une misère. Et donc c'est Steph qui commence. Si j'ai pas une misère. Attends, j'ai changé. Je me suis compris, c'est le beau que je voulais faire. Ok, c'est prévu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Premier, 3. Hélas, je n'ai pas cette ressource. Il n'y avait pas de planche en bois. T'as pas pris un planche en bois tout à l'heure? Non. Ou je te l'avais dit. Non, c'est pas un planche en bois, il te chasse. C'était pas celui-là, merci. J'en avais plus. Non, ça c'est ce qui a été défaussé pour le toit de Thierry. Je peux pas t'embêter, c'est ça? Non. Ben, je vais prendre. Il me semblait que j'avais ça. Parce que tout à l'heure, j'avais pris, j'ai peut-être pas pris. Ça change rien. Non, moi, je prends une vague et puis construire un mur. Tu récupères un ami qui peut peut-être changer. Il peut peut-être l'embêter. Non, il l'embête pas. Non, ça c'est lui là-bas. Ah. Vous voulez une ressource à un autre joueur, si vous collectez dans le même lieu que lui, vous devez le rendre. Ah, c'est le début de la manche, ouais. Parce que là, de toute façon, même si t'en prends une. Ouais. Le même, oh, je perds le bout d'un moment, il était bien. Bon, mais je pense qu'il est toi. Donc là, c'est mort. Ouais. Et donc là, il n'y a plus Thierry qui joue. Moi, j'ai rien d'intéressant à faire. Ouais. Donc, il n'a pas de ressources. Quoi. Donc, Flo a gagné. J'avais raison. J'étais pas loin.
Et moi aussi, tu m'as pas donné mon mur. Si, je te l'ai mis à toi qui l'a pas mis. Il a pu le mettre au bon moment. Oh, elle est exigeante. Ça va, ça vous a plu? Oui. Vous leur faites une petite? Oui. Ouais. Ah, il est 9h. Le jeu, c'est bon. J'ai pas prévu de jeu, j'avoue. Donc une brique. Voilà. Charlène est le garde de t'as encore des femmes ou pas? Oui. T'en avais. Et moi j'arrivais pas à en avoir quoi. T'as fait les piocher. Par contre t'aurais peut-être pas t'en piquer. T'aurais peut-être pas de les piquer. Il faut du bois je crois. Ouais. Du coup, tu es en train de gagner, tu gagnes encore ce que tu veux. Avec ça, non seulement tu es déjà en tête, mais en plus. Je connais pas. Ou alors, quand tu arrives à en faire un, tu es bien content. Selon les défauts, c'est cette carte Amine, Fab et tout. Oui. Ok. On récupère ça. Le loup, voilà. Alors, c'est le dé pour savoir le qui est le premier joueur. Hein ouais. Pour envie de commencer. Ça va être encore Thierry. Ah non, c'est pas. Je fais l'air. Oui, t'es bon, moi. Ça reprend ton couche. Ah oui, mais on a des cochons différents. Ouais. Deuxième partie. Le hasard peut pas plus faire. En fait, ça peut répondre. Moi, la paille, Flo, le bûcheron, toi, la brique, et Thierry, le marchand. Okay. Vous prenez vos ressources. Et nous, on est en train de. Bon, sans étonnement, je suis penché. Ah bon? Et deuxième chose, je peux me tirer. Je vais pas parler. Il y a que qui peut pas. Un plancher. J'ai un peu de plancher. Je pourrais très bien. Pas piocher de cartes de pomme, mais. Ah oui. Si. Sens, c'est qu'on soit un plancher. Ah si. Ouais. Mais non, je vais prendre des cartes de pomme. Bah, moi, un plancher. De paille. De paille? Oui. Je t'en parle à mon on l'a pas. Hop. On refile. On reprend le bonhomme. Oui, okay. Bonne nuit, petit caillou, à bientôt. Bonne nuit. Ok, t'es parti. Elle te félicite. Ah, merci. Elle a fait une jolie partie. Et a triché. Exactement. Je les ai pioché des cartes à tout le monde. non, c'est pas le cas. On commence avec les cartes quand même. Bah, il n'y a que moi. Oui. Oh. C'est à la fin de la phase de collecte. C'est tous les joueurs qui seront sur mon lieu pourront échanger deux ressources d'un type contre trois ressources d'un autre. Je vais au marché. Il y a quelqu'un d'autre au marché. Dommage. Tu retournes à la paille. Ouais. Ça marche pour toi ou pas? Oui, ça marche pour moi. J'ai pas marqué tous les deux joueurs. Donc. Je vais changer deux pailles contre trois briques. Ça veut dire que tu es déjà parti. Je commence.
Ah ouais, je vais construire un... une base de briques. Non, de paille. Ouais. Que si je te donne une brique avec de la paille, ça te fait pas. Ma première action, c'était de prendre une paille. Pardon. Là, je construis un plancher de bois et un plancher de briques. Merci. Et j'ai apporté une. Une action pour un l'autre. Je construis un mur de paille. Ah, il a déjà tu prends un ami. Ouais. Parce que c'est un bon ami. Il est là-bas. Voler une ressource à un autre joueur, si vous collectez dans le même lieu que lui, vous devez lui rendre la ressource volée. D'accord. Donc c'est au début de la manche. Je vole une ressource à quelqu'un. Et... mais si il joue sur la même lieu que toi, tu es obligé de lui rendre la ressource. D'accord. Donc c'était la première action, deuxième action, je... J'avais pas pris une paille, c'était 4 pailles. Ouais, ouais, il avait déjà 4 pailles. J'ai pris une carte. Ok. Il n'y a plus qu'une ressource acquise. Une belle question, si je me permets plus. Et pour moi, j'ai une ressource et j'ai un plancher. Ouais, mais moi, il faut que je fasse de la monnaie. Ouais, bien sûr. De la monnaie. Oui, bah, fais de la monnaie. Quoi. On verra si la chambre, je la rendrai. Hein. Oui, bah oui. Et puis que je trouve où tu joues, et puis voilà. Surtout que j'avais pas, tu vois. Je suis assis au pif. Attends. Allez. Yep. Ah, tu vas pas dormir, je croyais que tu partais comme tu nous as dit. Alors, il y a un loup à placer. Il y a un troll. Il faut le pont là-bas. Oui. Sachant que dans l'ordre, c'est d'abord Thierry. Mais ce sera au prochain tour. C'est quoi, Jamou? C'est que tu détruis toutes les. Toutes les ressources, ouais. C'est quelqu'un est dessus. Ouais. Et le troll, c'est quoi? Je sais plus. Je récupère la moitié Des ressources qu'il a collectées ce tour-ci. Donc, c'est quoi? Moi, ce sera au prochain tour, donc pour l'instant, il n'y a pas d'effet. Bah, moi, je vais voir le troll. Moi aussi. C'est nul. Ah, du coup, vous partagez et moi, je gagne que la moitié de ce. La moitié d'un des joueurs. Donc, vu qu'on est deux, c'est un peu dommage. Hein. Donc, on récupère 4 sur chacun. Tu choisis qui tu veux. Je voulais plus. La moitié des ressources qu'on a collecté ce tour-ci, donc j'en ai collecté 4, je t'en donne 2. Ouais, ça fait rien. Je prends tout ça. Toi, t'es bien, hein, t'étais tout seul sur la paille. Ouais, et moi, du coup, j'étais dans le bois. Donc, ouais, mais j'avais... je pensais que je serais pas tout seul, donc j'avais joué ça même. Là, il y a le bois qui est détruit. Le loup a bien fait son effet. C'est moi qui commence. Je fais le mur en brique. Tu prends des trucs en place. Même pas, attends, les babas, une pile de ressources. Tu vas changer avec Pinocchio. Tu devrais dire la vérité. Enfin, si tu veux. Si tu veux. Quel code que vous avez joué. Deuxième action Deuxième action, je vais prendre une carte fab. Ouais. Du coup, je commence par construire un sub, un brique. Et je vais reprendre une carte fab. Je vais construire ça, la paille. Je vais construire un mur à paille. Je rattrape. Et je prends un hélice. C'est pour toi, Flo. Ah.
Lorsque gagné, choisissez deux de vos cartes collectées que vous conservez en main, placez les autres face cachée sous la sirène. Vous ne pouvez pas les utiliser. Ok. Une balle. Ce qui est bien, c'est que vous ne savez pas ce que je mets en dessous. Enfin, vous le saurez au bout de deux tours, parce qu'au bout d'un moment, à force de voir ce que je joue, vous saurez lesquelles sont les coups pour l'instant. Bah, par contre, t'as un effet positif. En action spéciale, oui, je gagne une ressource de chaque type, ça c'est sympa. Moi, je vais aller au marché, toi aussi. Et tu joues pas du coup? Si, j'ai joué. Ah. C'est l'effet de Pinocchio. Tu récupères ton vie. Alors, du coup, tu dis que tu vas jouer marché. Ouais. Moi, je vais mettre le jardin des fées. Ça fait quoi ton jardin des fées? Je vais le dire tout de suite. C'est tous les joueurs qui jouent sur ce lieu gagnent 3 ressources de leur choix. On le sait avant de jouer notre tour ou pas? Ouais. Mais c'est pour le tour d'après, hein? Non, c'est pour ce tour-ci. J'adore. Oui, mais je l'avais joué le tour, le dernier tour. Ah, ok. Bon, j'ai choisi mon arbre, je choisis. Carte faible en premier. Pour les poils de mon ventre aussi, un monstre est joué, je peux pas. Sinon, j'ai repioché une carte faible. J'ai la même chose. Eh ben, il n'y a pas de monstre, donc vous piochez une carte faible tous les deux. Vas-y. Et moi, du coup, à la fin de la phase de collecte, si je suis seul sur un lieu, je pioche 4 cartes faibles et j'en recharge 2 et je dépose 16. Ah, c'est bien ça. Maintenant, on va jouer. J'ai trouvé une qui est bien. Hein. Bois, paille, bois. Bois. Bon, j'ai menti. Donc, on gagne tous un bois. Alors que j'ai choisi bois. On gagne tous une ressource de notre choix. 3 retours de notre choix, pardon. Avec le jardin d'été. Non. Ouais. Ouais, donc on peut, ça peut bien pas nacher. Moi, je vais prendre 3 bois. J'aurais pu je vais prendre une brique, un bois et une paille. De chaque. Ça, c'est les quatre points sur le lit. Vous êtes sûr que j'ai un ah ben, du coup, c'est ce qu'elle a fait, elle est en train de conserver 2 points. Ok. C'est la tirée de commencer. Oui. Je construis un mur de briques. Ah, tu me disais, il manque quelque chose. Et tu prends un ennemi. Tu donnes à quelqu'un que tu prends pour toi. C'est quoi ta petite chaîne? J'ai 2 cartes qui sont bloquées ici, mais en action spéciale, je peux gagner une ressource de chaque. D'accord, et du coup, si je te la remplace, tu lui fais quoi? Bah, je récupère. Ah non, il les récupère. Il les récupère. Oui, donc c'est très bien. Oh, c'est chiant ça. Moi je tombe toujours sur lui, sérieux. Nous on en a pas, on s'en fout. On en a pas. C'est bien, hein. Ouais, mais... Sinon tu le donnes à quelqu'un, hein. Ouais, je sais. Je rentre bien, Pinocchio. Allez, tiens. C'est la grenouille. C'est la grenouille. C'est la grenouille. C'est bête, il n'y a pas de caribou dans les contes de fées. Et je vais faire un plancher en bois. Il a pas envie de se faire avoir et qu'on commence toutes les maisons. moi je vais. Je peux oui. Je construis tout. Ah, ça y est, première maison faite. Sachant que je vais, si on vous demande de sacrifier une base, on ne peut pas sacrifier s'il y a quelque chose dessus. Oui. Tu commences par le toit. Mmh. On est en train de chercher. Ok, bon, c'est bien. On va aller mieux, s'il te plaît.
Vous savez ça, un joueur ou un plus, il doit jouer la première carte de la carte. Ah, c'est ce que j'ai fait. C'est bien ça. Mais c'est début de la dame. Ouais, c'est le problème qu'on a vu tout à l'heure. Moi, je vais essayer, de toute façon, ça c'est. Personne ne me donne. Maintenant, jette mon cadeau. C'est un peu mon cadeau. T'as fait deux actions du coup? Non, j'en ai fait qu'une. La deuxième. Faites l'entrée là, mais l'entrée là. Quoi, l'entrée, c'est quoi? En fait, c'est bien la porte. Ah oui. Première action, je vais faire l'effet là, je gagne une ressource de chaque. Toi, t'es un peu bloqué parce que on sait que t'as le bois. C'est pas que t'as le deuxième. Deuxième action, je vais dépenser 4 bois pour prendre un mur et peut-être remplacer la petite sirène, ça va dépendre de du nouvel ami. Oui. Ça fait quoi? La méchante reine, celle qui me permet de regarder les cartes folles avant de jouer les miennes. Voilà, tu vas. Bah, du coup, début de manche. Non, mais vraiment, je vais au marché. Tu vas au marché, t'es pas sûr. Ouais, sûr. Non, mais je me suis perdu tout à l'heure. C'est le temps, ouais. Le marché, il est intéressant. Alors, avant de jouer, je vais vérifier ce que tu dis quand même. Que je te fais pas confiance. Non, j'ai vérifié. Voilà. Ah, et moi je peux jouer ça tout de suite hein. Ah oui, tu choisis un joueur qui jouera la première carte fable au lieu de jouer une carte de sa main. Ok, moi aussi. Donc en fait, tu joues pas celle-là, tu joues la première de la pêche. Mais sont chiants les gens, hein, c'est... ils te laissent pas faire ce que tu veux. Nul. Bah, du coup, il faut quand même regarder ce que c'est. Non, t'as pas le droit de regarder, c'est écrit sur la carte. Sans regarder. Ah non, c'était pas encore les faits. De toute façon, je change plus. Je peux pas changer non plus. Non. D'accord. Je n'ai toujours pas de carte, pas. C'est bon, tout le monde a joué? Ouais. Petite main, fin de la part de la phase de collecte. Si vous êtes seul sur un lieu, gagnez 2 ressources supplémentaires pour la phase de construction. Non, je gagne une carte fa par joueur sur mon lieu, moi inclus. Ok. Moi, à la fin de la phase de collecte, si je suis sur un lieu avec un autre joueur, je fais immédiatement construire un plancher ou des murs pour la moitié de leur coût. Si la lampe magique est dans la défausse, vous pouvez à la place construire un plancher ou des murs gratuitement. Ok, mais la lampe magique n'est pas dans la défausse. Enfin. C'est à moitié. Moi j'ai pas de carte pas. Je suis dans le bois. Tu veux marcher? Tu veux marcher? Ah, des bruits, c'est intéressant. Je pensais qu'on serait arrêté plus. Bah, j'aurais pensé. Bah, moi, vu que je pioche des cartes pas. C'est l'effet de. C'est non, dommage c'est... que qu'il m'a changé ma carte, mais bon. Celle-là, elle a pas effet. Et je choisis. En premier. La brique au blé. Bon, allez, du blé. Et du coup, comme j'ai dit la vérité, je récupère 2 ressources de mon choix. Ouais. Enfin, non, 2 des types produits par ce lieu, pardon. Bah, c'est un donc, tout. Donc, c'est mon choix. Attention au micro. Donc c'est à moi. Donc je vais déjà construire un mur de bois. Voilà. Je vais faire une carte à nous. Ah, ouais. Et il n'a plus beaucoup ou... Non, je sais pas. Bonne question. Ah. C'est juste que c'est du signe, je sais pas. Hein. Oui, ah. Ça va. Je garde la marraine la fée. Au lieu d'une action spéciale, je peux gagner 2 cartes simples. Au lieu d'une. Et sinon, je peux défausser ma carte pendant mon tour pour échanger 2 cartes fables de ma main, donc 2 ressources de mon choix. Donc,
Je vais dépenser 2 comme ça pour prendre une date. Ouais, et puis moi je dépense sur un mur. Pourquoi? En brique. Je prends un mur. Ouais, tu le donnes à quelqu'un. Je peux garder? Ouais, elle peut garder aussi. Ouais, comme je lui dis, tu le donnes à quelqu'un, ça peut être elle. Bien sûr. Tu peux te le donner à toi, hein, c'est possible. Faut pas hésiter à te faire des cadeaux des fois. Exactement. Je vais le garder. Et du coup, ça doit être vers la poubelle, du coup, je l'ai. Ouais. Il part à la poubelle. T'as abandonné la belle au bois dans le bûcheron. Gagné de bois, je passe des bois dans la forêt. En action spéciale, et le bûcheron peut annuler les effets d'une carte. Sympa. Et il faut le défausser. Ouais. Donc c'est ta deuxième action. Deuxième... Tu peux faire celle-là. Ah oui, c'est vrai. Je vais faire ça. Donc deux bois ici et deux dans la forêt. Ça refile la forêt. Bon, je récupère. Non. Je pense que le toit en bois. Récupère ça. Ouais. Je vais prendre une ressource de chat, s'il te plaît. Coupure. Je rends tout de suite deux pailles pour construire un plancher. Bien. Moi j'ai fait pareil. Pas longtemps, mais j'ai fait pareil. Voilà. On est à peu près au même stade en fait. Ouais. Ah oui. On est au même stade. Bah, je t'ai rattrapé quoi. Non, c'est moi qui me l'ai rattrapé parce que j'avais un tour de retard tout à l'heure. Au début, j'avais rien. Tu fais quoi, Thierry? Je prends une paille et du coup, ça me fait 6 pailles et je fais un tour. Bon, paille qui ne fait rien de plus. Hein. Oui. J'arrive à finir la barrage. J'ai dû récupérer le. Voilà, voilà. Donc, on récupère nos bestiaux. Charlie devient la première joueuse. Check. On lui fait le tour. Donc je réfléchis si vous voulez aller. Alors cette tour-ci, je vais aller. Oh bah il y a plein de pailles, je vais aller chercher de la paille. Oui, oui, c'est joli. Si jamais je tombe sur ce que j'ai dit, bah. Oui, tu dis que tu fais la paille du coup avec les Nokia, c'est ça? Ouais. On sait jamais. Avec. Je vais aller. Il faut attendre que les autres joueurs aient joué. Avec la mèche entraîne. Ah oui, c'est vrai que la mèche entraîne, c'est ou ça ou ça. Ouais. J'ai surtout envie de voir ce que Charlène va jouer. Donc j'attends que Charlène ait joué. Tu peux regarder la carte, une des deux, des quatre si t'en joues deux. Soit la femme, soit la collègue. Ah, mais c'est chiant aussi. Ouais. Ah, il est gaspillé. Parce que du coup, t'as un monstre qui va le mettre là où je vais aller. Peut-être. Moi, j'ai plus envie de jouer du coup. C'est bon, tu vas. Voilà, toi. Alors du coup, je me dis peut-être qu'il y a moyen que là, ça passe. Donc tout le monde a joué. Ouais. On joue les cartes collettes. Et stop. Les cartes femmes. Les cartes femmes. Vos adversaires doivent mélanger toutes leurs cartes collectes. Oui, c'est les cartes collectes, c'est les cartes collectes, c'est pas les cartes femmes. On peut quand même révéler. Oui, toutes les joueurs qui vont collecter ça, c'est leur moment donné. C'est pour ça que j'ai dit stop. Lorsque à la fin de la phase de collecte, tous ceux qui ont recollecté 5 ressources ou plus, ils vont remonter les deux. Et donc la collecte, on joue pas. Tu la mets au pif. Ça peut être celle qu'on a récupérée. T'es au pif. Bah, vous êtes toujours au pif. Tout mon bazar. T'es toujours au pif. Ah, ça a changé. C'est la même question. Oui, attends, faut pas révéler. Parce que moi, je jouais le dragon. Ouais, bah, remets dans ça. Donc, je veux bien le dragon, s'il te plaît. Il est là. Le truc, c'est que du coup, je sais pas où le mettre. Parce que même toi, tu sais pas où tu vas. C'est ça le problème, c'est que je peux pas consulter, c'est... Non, je peux pas consulter, donc... Du coup, ce que j'ai dit avec... Écoute, instinctivement, on va remettre la campagne. On ne sait jamais.
Elle a tiré deux fois la forêt, on n'est jamais 203. Eh ben, pas cette fois. La brique. Ça marche, le brique et paille. Bon, bah, il se passe rien. J'ai d'accord. Ça faisait quoi, du coup? Tous les joueurs sur le lieu du dragon doivent dépenser toutes leurs ressources. Oh, c'est horrible. Je suis d'être que Sam il ait mélangé les cartes collectes. Je sais, c'est une espèce de dieu foutre mon bazar. Mais j'aurais pu les détruire toutes les ressources. Du coup, tu me donnes deux pailles parce que t'as collecté. Oui, j'ai bien compris. Non, mais je... Nous, on a une brique chacun. Attends, on a écrit une carte, en fait, on l'a pas fait. Ah, c'est quoi ça? Lorsque révélée, jouez cette carte sur un lieu, elle reste en jeu jusqu'à 3 minutes passées. Et toujours seul sur ce lieu, gagne une ressource de chaque. Tu voulais le jouer où? Bah, sur la mine qui était là, en fait. Ouais, donc il se passait rien. Donc là, ce joueur seul sur ce lieu, défausser ce lieu, c'est 3 joueurs en plus, ils sont présents. Donc, ouais, il se passe rien. Donc là, on fait reste là. Une brique chacun. Et puis là, ensuite, c'est toi qui choisis entre bois ou paille. Je crois pas. Et donc, ça, c'est moi qui vais commencer. C'est plus bien, mon truc. Je vais construire mon mur de bois. Enfin, je pioche en bois et. Un mur, c'est ça. Deux actions. Ah non, attends. Je vais faire ça, du coup je gagne deux bois, mais j'ai deux bois ici aussi. Ah, donc là j'en garde un. J'en garde un et j'en mets deux là. C'est bon. Et donc ouais. Tu récupères. Et j'ai un mot. C'est bon. Ça reste des fausses pas parce qu'il n'y a personne, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ouais, du coup. D'accord. Je vais garder ça. Et donc là, défausser le bûcheron pour annuler les effets d'une carte. Tiens, si tu le défausses, si je veux ça. Oui, de toute façon, t'aurais pu le défausser pour te protéger du dragon. Dragon, oui, j'aurais un choix. Ah voilà, non. C'est quoi la réponse? Pour les ressources d'un outil de la réserve, placez-les sur réponse, au début de la manche. Si vous utilisez une de toutes les ressources, faisant sur réponse. Pas mal ça. C'est bien, hein. Alors, première action. Prendre une carte fable, deuxième action, je vais prendre une carte fable. J'en avais plus. Première action, je prends un plancher en paille. Deuxième action, je prends une carte fable. Oh, je suis... Je vais faire voir. Il n'y a plus de plancher. Je vais pas recommencer. Chacun son tour. Hein. Et dommage, avec 10 pailles. Et bah, dans ces cas-là, je prends deux cartes fables parce que j'ai gagné. Ouais. Je prends une carte fable. Ok. Et il n'y a plus de plancher de quoi du coup? De paille? De paille, ouais. Et du coup, il y en a moins que les autres ou il y en a 4? Ouais, il y a moins de paille. 3, 4, 5. Ouais. Et donc là, c'est à moi? Ouais. Enfin, là, c'est à enfin, moi. Alors, j'annonce, j'irai au bois. Tu vas au bois? Ouais. Il y a moyen que j'aille. Ça fait déjà quoi la carte, tu me diras? Toujours seul sur ce lieu, il y a une ressource de chaque type. Non, parce que là, je vais. Et elle est défaussée s'il y a au moins 3 joueurs dessus. Combien de joueurs sont chargés? Je crois que c'est. Je vais me présenter, je t'en prie de rien de dire. Donc ça, je le fais tout de suite, donc. Ah bah, faut le faire au début de la manche. Ouais, c'est tout de suite. Ah bah, je vais mettre deux briques, s'il te plaît. Donc, il faut que tu sois toute seule pour la récupérer. Sur un lieu. Okay. Regardez ta carte fable, cette fois-ci. J'ai envie de savoir ce que tu pourrais faire comme ça, du coup. On voit que t'as pas regardé tout à l'heure. C'est que, oui, je sais les faits, mais ok. Ah oui. Oh merde. On va voir ça. Fin de la phase de collecte, je vole une action de la phase de construction à chaque joueur qui partage mon lieu. Ok. Tu risques pas de partager ton vieux avec Seb. C'est quoi, mais... Ça dépend. Le partage votre lieu, mélange toutes les cartes collectées en sélectionnant aléatoirement et se déplace sur le lieu correspondant. Ah. C'est bien, ça.
Et moi, à la fin de la phase de collecte, tous les joueurs sur mon lieu gagnent deux ressources d'un type produit par ce lieu. Et moi, c'est les impôts, donc à la fin de la phase de collecte. Mais t'arrêtes pas de la piéger, celle-là. Oui, au prochain tour. Ouais. Donc tu mélanges tes cartes, pas celle-là. Arrête, tu... je peux pas retourner sur le banc. Non. Du coup j'aurais menti quoi. Que vous avez joué. Oui, t'aurais menti. Ils mélangent toutes leurs cartes de collègues. Ah, c'est tout, pas donc ils comprennent celle que t'as joué. Tu peux retomber dessus. En même temps, quand j'arrive, je vais retomber dessus parce que sinon ça va te gaver. Mais... oui, mais tu m'étonnes. Bon, en même temps, je peux rien faire, j'ai rien. Donc, mais attends, minimum pas le marché. Enfin, même si c'est pas dramatique le marché. Marché. Du coup, mon ami puissant, il me fait voler une action, bordel. Je volais une action. C'est violence. On la récupère. Toi, tu. Moi, je récupère ça. Toi, tu récupères ça. Plus deux blés en plus. Pour moi. Tous les joueurs sur mon lieu gagnent deux ressources d'un type produit par celui. Non, pourquoi tu me fais? Bah parce que t'étais tout seul. Mais c'est une action totale. Ah pardon. Donc je passe en action. J'ai cru que c'était automatique. Non, mais c'est pas. Ça, tu gagnes une ressource de chaque en plus. C'est pour ça que j'ai dit que c'était l'effort pour toi. C'est... Et par contre. C'est au prochain tour. Ouais, c'est au prochain tour. Prochain tour. Ouais. J'ai même vu. Et voilà. Bah c'est pour commencer. On va déjà construire un mur en paille. Je vais prendre un ami. Merci. Alors. Ça, c'est bien aussi. C'est bien parce que c'est fort quand même. C'est beaucoup trop fort pour le passer à quelqu'un, mais c'est pas assez fort pour la mienne. C'est pas non, tu peux je vais le donner à Charlene. Non. Tu perds tes deux briques qui sont là. Pas la variation des cartes collectes, au lieu d'aller sur votre lieu, vous pouvez choisir de prendre une ressource de votre choix sur chaque lieu. C'est pas mal. Ouais. Surtout avec un monstre. Voilà. Donc on peut avec ça. Ça veut dire qu'elle est sur aucun des lieux, donc on se prend tout le malus. C'est vrai. C'est violent. J'avais pas pensé comme ça, mais c'est vrai. C'est violent ton truc. Hein. Et en deuxième action, je vais prendre une carte. C'est bon. Moi, je récupère une brique et je continue un peu avant. Est-ce que tu es le premier à faire la maison en brique? Oui. Je récupère quoi? Un toit, s'il te plaît. Il est avec les doigts, je suis désolé. Donc attends, c'est soit un ami, soit deux cartes, soit une ressource de chèque. Ah, ça peut être un ami pour l'échanger sans prendre épice. Que... mais t'arrêtes hein. T'as pas demandé ton avis, toi. En même temps, celui qui a voulu savoir. En même temps, il a des casse-pieds que je le donne à n'importe qui et il était moins bien pour moi. Donc. Mais là, il est vraiment casse-pieds pour elle. À cause de ça. De toute façon, t'es obligé de. Oui, oui. De choisir un des trois. Je sais, je sais. J'hésite entre faible et ressources. Parce que le problème, si c'est les ressources, c'est que tu choisis pas, tu les perds. Oui. Mais c'est quoi toutes tes ressources là? C'est des ressources que je peux pas utiliser. Non, ça fait. Ah bah oui, la paille. Tu divises par deux tes ressources. Bah le bois, du coup. Le bois, oui. Tu peux refaire même une deuxième maison complète là. Bah, c'est pratiquement. Ouais, je prends un ami. Un peu moins casse-pied. C'est pas quand même moins chiant avec le. Les murs coûtent. Un plus. Des murs. Une ressource supplémentaire. Tu mais... vas être content, on te donne. Et on lui donnera. Attends. Je préfère l'autre. Attends, on pique les amis. C'est plus, c'est un de ces légendaires. Ouais. Tu cherches pas bah, une ressource supplémentaire, mais est-ce que ça doit être du même type? C'est pas possible. Moi je pense. Oui. Non, madame, du type correspondant. Bah oui, oui, du type correspondant. Ah mais ça pourrait être autre chose, hein. C'est pas marqué. Non mais c'est du type correspondant. Donc si tu fais des empailles, tu fais du bas de la paille automatique. C'est bon. Sinon je vais juste vérifier. T'as fait des ouais. Oui.
Donc c'est à moi. Donc je vais faire. Bizarrement. C'est toi qui avais fait le bois, c'est ça? Ouais. Je vais faire. Un plancher en bois. Bizarrement. Moi j'ai construit un toit. Un poil trop tard. C'est la vie quand même. Dommage. Je suis toujours là. Je vais toucher le cœur. Ok. Truc. Jamais j'irai au bois. Tu vas au bois, toi? Ouais. Attention, moi, je peux vérifier. Alors, tout dépendra de ce que Charlène fait. Attends, faut que je replique, je dois dire. Oui. Non, il n'y a plus rien. Est-ce que tu as définitivement? C'est tant qu'il n'y a pas trois joueurs en plus dessus. Oui. Non, pas ça. Du coup, quand tu joues à deux, elle reste en permanence. Maintenant, faut que je regarde la carte de Charlene pour prendre les impôts. Ah oh, oui, c'est vrai qu'il peut, toi. C'est pas vrai. J'ai pas envie de me prendre des impôts, tu m'excuseras. Attends, faut être dessus ou faut pas être dessus? Faut être dessus. Avec moi. Tous les joueurs qui ne sont pas dessus, de toute façon, il faut être avec toi. Donc, j'ai pas le choix, faut que je joue ça. Et après. Mais t'es chiant en plus. Je voulais pas que tu sois. Après, je vais jouer ça. Mais c'est toi le premier joueur, c'est ça? Non, c'est Thierry. C'est Thierry. Ben moi je prendrai deux ressources de mon choix et des adversaires sur mon lieu. Moi je choisis un joueur, je consulte sa carte collecte, ça se cacher, je peux essayer de changer ma carte collecte. Va-t'en voir ton truc là. Ok, je vais changer. C'est pas possible. Et voilà. Alors toutes les cartes monstres jouées ce tour sont sans effet, gagnez-les et ajoutez-les à votre main. Merci. Je vais plus avec vous. Maintenant, on peut révéler. Moi, je vais au marché. Moi, je vais à la paille. Moi, je vais à la paille aussi. C'est moi qui me ferai avoir. Une paille chacun. C'est bien entouré. Il reste deux paillots. Oui, oui, oui. Donc, tu me piques quoi exactement? Tu dois dépasser la moitié de tes ressources, de ton plateau. Arriver à l'inférieur. En fait, si t'es allé au bois, moi, si je veux ton truc, oh là. Toi, tu as fait le bois. Ouais, non. T'avais pas besoin de ton fond, de toute façon, t'aurais pu le déplacer. Ouais, mais c'est le bois, moi, que j'avais besoin. Tiens, il fait la place sur son plateau. Donc, tu fais quoi, Thierry, là, tes premiers jours? C'est vrai que c'est violent, quand même. Alors, je prends un bois, je construis un mur. Ah, quoi que, attends. Est-ce que je prendrais pas plutôt une carte fable? Parce que j'en ai pas. Je prends un bois et une carte fable. D'accord. C'est bon. Moi j'ai fait un mur. Ah oui, étonnamment. Ah, et tu dois payer une ressource supplémentaire de la journée. C'était prévu. Par contre, je prends une ville. J'ai changé la mine. Ah. Le Blanche-Neige. Quoi, tous les adversaires sur mon lieu doivent me donner une carte fable et s'il y a un emploi, il y a une ressource. Elle est casse-pied. On recommence par tous les adversaires sur mon lieu doivent vous donner une carte fable de leur choix. S'ils ne peuvent pas, ils doivent me donner une ressource de votre, ah, mais c'est toi qui avais de votre choix. Ça, c'était ma première action. Ouais. Deuxième action. Que vas-tu perdre toute ta paille? Je vais prendre un jeu. Attends, je vais diviser par deux. Je vais voler dans le jeu. Oui, bah, moi, je vais prendre un bois, s'il te plaît. Ah, tu peux plus avec le bûcheron. Bah, je vais prendre une paille et je pense 6 pailles pour faire un toit. Ouh, il est pas loin non plus. Hein. Ouais.
Et c'est fait? Ouais. T'avais fait tes actions? Oui, Ah, j'ai tu veux pris une prendre quoi? baille Ok. et puis je. Okay. Bon, j'annonce, je vais au bois. Donc Thierry qui va au bois. Il fait jamais ce qu'il dit, mais il va au bois. Toujours la déterminée. Visiblement, le bois l'intéresse. Je regarde Thierry un peu. Regarde les chagrins en grenouille. Ah oui, c'est ça. J'essaye de varier un peu. Bah surtout qu'il a dit qu'il allait au bois, c'est ça. Il a dit qu'il allait au bois. Oui, mais il fait rarement ce qu'il dit, donc du coup je sais pas Ça si. arrive, ça Du coup arrive. je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je regarde. Donc Une fois il que y a parce que des je dis, parce cartes qu'on phares. l'empêche. Oh, un grand méchant loup. Un grenier secret. Tous les joueurs sur mon lieu gagnent deux ressources d'un type produit par ce lieu. Moi, Moi, c'est je vais dire. rugissement, tous les joueurs qui sont sur mon lieu, j'y remonte. Encore? Mais tu l'as fait dans les erreurs. J'ai tiré deux fois dans une seule main. Moi, je donne trois ressources d'un type à un joueur, il va me donner trois ressources d'un autre type. Ok. Oh, il y a le grand méchant loup au bois. Et tu peux me rappeler ce qu'il fait pendant le challenge? Il détruit une section de maison en paille ou en bois de C'est votre. moi qui choisis. Je m'en fous. D'accord, je Tu m'en défais tout de fous. suite, donc on révèle. Puis au Le marché. tuto rugissement là, c'est quoi? Ah bah c'est tout de suite, hein. Et tu vas pas sur le Ah, bout? pardon. Non? Attends, 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 c'est pas tout de suite. Faut pas arriver. Parce qu'il Bon. y a son grand méchant loup là. Tous les adversaires qui passent. Ah T'as non, choisi le premier c'est aussi. avant la collecte. Oui. Donc, pas même révélé. Break. Moi je vais au bois. Ah, mais quelle bonne Ah! idée! Bon, Ça fait dommage. Oui, mais si je suis toute seule, non? tu vas gagner une ressource de chaque type. T'empêches pas de gagner tes ressources, hein? Et tu perds une section soit de bois, soit de paille que Thierry va décider. Ouais. Ah, c'est toi qui décides en Oui, plus. c'est moi qui décide. Bah, t'as beaucoup de bois, alors on va t'enlever la paille. Donc, pas ça. J'aurais préféré tomber Que le sur Flo bois allait Serviteur. être embêtant, donc j'ai préféré jouer ailleurs. Et donc la brique était le mieux avec la carte. Donc là, on fait la phase de collecte. Vous gagnez une ressource de chaque type. Ouais, c'est ça. Et moi, je gagne deux briques de plus. C'est mon dernier secret. Tu veux quoi? Deux briques de plus. Dans ce dernier secret. Il a perdu. Ils vont encore gagner. Ça te fait Oh rire? non, Moi, il a je gagné. Il a voudrais pas gagné. échanger trois Un, ressources deux, avec deux. quelqu'un. Pourquoi? Oh, c'est cool. Il y a encore des gaz en bois? C'est pas le mec cool, Oui, t'as perdu ta puis si, victoire, on a mec. une. Ah, ben voilà. Parfait. Donc c'est pas moi. Fait attaque sur mon monstre. Je suis capable de faire. Ça fait quoi? Un mur? Oui, je fais un mur. Ah, tu dois le payer Ah oui, j'ai un truc en plus. Ah oui, c'est un casin. J'y pensais plus. Ah, tu peux me donner vite. Non, c'était moi, je t'ai donné à la banque en fait. Ah, c'est dommage. Fais quoi ton question là? Déjà. Je peux regarder les cartes faibles ou collectes de quelqu'un. Mais pourquoi le bois est encore dessus du coup? Oh non! J'aimais bien mon pouvoir. Parce que lui, le grand méchant, c'est. Je gagne quand même le bois? Bah oui, quand Oui. même. Ah! Quand même, faut pas déconner, en fait déjà. C'est pour ça que je Ma t'ai pris. première action. Ça va, du coup. Oui, Deuxième tout va bien. Je pensais juste que j'avais déjà reçu. C'est ça. À moi. Toi, ouais. Je vais construire deux bois et un toit. Déjà les deux bois et un toit. Et du coup, j'hésite. Je vais construire une balle.
C'est la dernière, hein. Et après, il n'y a plus de base du tout. Si, il reste un bois. Non, il n'y a plus de base du tout. Il reste plus de base. Ok. Voilà, voilà. Et en deuxième action, je vais prendre une carte. Bah moi, pour 5, parce qu'à cause de la taxe, je construis un mur en paille. Et du coup, tu récupères une paille. Un mur en paille. Et tu récupères un mur. Oui. C'est juste. Ça va être très chaud, le prochain tour, il n'y a plus de ressources sur les lieux là. Je prends le saboté. Oh, il est 4 prix de saboté. Je construis une section de maison, je peux utiliser une ressource du plateau d'un autre joueur pour payer une partie de son coût. Et deuxième action, je prends une carte de choix. Attends, c'est pas un plancher, ça peut me donner. C'est à toi. Ah ben, il n'y en a plus. Hein. Ah ben, je veux bien mes deux bois, du coup. Et... Ah ben, il est à l'envers, j'ai réussi à plancher. Et du coup, en deuxième action, ben, je prenais une autre carte. Ah oui, oui, c'est comme ça. Et du coup, je suis obligé de terminer avec ça, c'est chaud, par contre. Moi, il y a des ressources que je sais pas quoi foutre. Allez, on sait ce qu'il faut. Je n'ai pas de l'écart. Oui. Donc on récupère les écrans. Le grand échange de l'eau est affiché. Et je refile là. Mais c'est pas la première. Il n'y a plus rien. Ah oui, je vais chercher le bâton. Ah bah non, je. J'ai plus de pile. Non, t'as plus de pile. Je suis pareil, mais entre le bois et la brique, ouais. Ouais. Au moins, toi, t'as deux trucs sur lesquels tu peux y aller. Moi, j'ai juste la brique. Là, sur le coup, là, c'est ou le bois ou la brique. Ouais. Kéry, c'est bois ou paille. Charlène, c'est paille ou brique. Pour terminer, il faut ou du bois ou de la brique. Autant dire que la brique, ça va être très compliqué parce qu'on est trois sur la brique là. Je sais pas qui en est. Okay. Moi non plus. Je... C'est dur comme décision. C'est ça. Non, mais je suis pas convaincu. Tu joues de 4 points. Tu joues de 4 points. Je prends une forme. Je vais consulter Oracle, mais c'est à la fin de la phase de collecte. Si je suis faible sur un lieu, je peux prendre une carte faible au hasard dans la main de chaque autre joueur. C'est fin de la phase de collecte. Si je suis seul sur un lieu, je gagne 2 ressources supplémentaires pour la phase de construction. C'est quoi ? Tous les joueurs sur mon lieu, bah, j'ai changé 2 ressources d'un type en 3 ressources d'un autre. Sympa. Mais voilà, nous faire ce que j'ai. Ouais. Marché. Paille. On est tous sur des trucs différents. Moi aussi, je suis content. Et du coup, je peux vous prendre une carte faible au hasard. T'en as plus ? J'en ai plus. J'en ai plus. Non, pardon. Voilà, c'est là. Et donc, Flo, t'as gagné. Non. Ah non, non, mais t'étais là. Si, parce que je suis, si je suis seul sur un lieu, j'ai une action supplémentaire. Oui, c'est moi qui vais gagner quand même, parce que moi, je. Ah non, non, c'est si vite que moi. Putain. Ah, tu as demandé 2 briques et qu'on soit conçu. J'ai 3 actions, donc je peux faire ça. Donc, tu fais ça. C'est Charlène d'abord. Mais comme t'es le... On termine avec la même. Non. Thierry arrive troisième. Je suis troisième. Oui, parce que moi j'ai une brique et un bois et toi t'as 2 pailles. Donc c'est moi qui passe en premier. T'arriveras à finir le truc de brique? Oui. Mais j'ai pas et comment?
Ah oui, tu peux. Je peux switcher deux failles pour trois briques. Sauf si j'ai un ami là. C'est un monstre qui est un mec. Merci. Merci. Si vous le faisiez avant, de toute façon, je peux pas. Si personne n'allait sur le truc. Début d'un temps. À part enfin, Thierry qui pourrait peut-être te péter un mur, on sait jamais. Ouais, non. Comment? Je sais pas. Avec une carte amie en me faisant un mur en bois. T'as de quoi faire. Ouais. Bah oui, ça je fais un mur en bois, ça c'est sûr. Je prends une brique, s'il te plaît, pour le deuxième. Je finis là. Merci. Bon ben, deux premières actions, je prends une brique et puis troisième action, je sais pas. Je l'aurais préparé. Charlène aurait pu me casser parce que quand elle a pioché son ami, elle aurait pu remplacer le mien et j'avais deux actions. Ah merde, mais j'avais pas eu merci, Charlène. C'est pour quoi que j'avais peut-être quand même l'effet parce que c'était à la fin de la phase de collection. Ouais, c'est à la fin de la phase de collection. J'avais quand même. Donc, tu vas pas récupérer les ressources, donc j'avais 4. Et puis, c'était 3 de plus, là, c'est ça? Et là, c'est celle qui a pas récupéré ses ressources. Oh, ça lui sert à rien, quoi. Là, il y a une ressource de chaque type, ok. Donc, il me faut un bois. Un bois, une brique, une paille. Et puis, j'avais encore 2 bois de plus. Je peux pas. Il faut que tu me donnes ça. Du coup, pour 5, je peux faire le mur. Là, tu lui en donnes 4. Oui. Alors, il n'y a que toi qui peux empêcher quelqu'un de gagner. Tout se joue là. Parce qu'on était de page, non. Mais non. C'est juste pour. C'est quoi? Début de la phase de construction, je gagne une paille et action spéciale, je transforme toutes mes pailles en une même quantité de ressources d'un autre type. C'est du bon contre. Ouais, je fais 3 minutes. Je ne peux rien. Je... Et puis, je te fais le tour en bois. Tu le remets pas sur le déroulé de la pioche, s'il te plaît. Même si ça, je mange rien. Par contre, il l'aurait passé à toi, mais c'est pas royal, quoi. On va finir avec toi. Non, bah. Voilà, je. Là, je peux déjà transformer 2 pailles en 3 briques. Tu peux peut-être même te repasser devant si je vais passer avec. Ça, c'était pas une action. Donc, première action, puis je vais le faire. Je défausse 15 pailles pour faire 6 bois. Attends, je te passe quand même devant. Peut-être t'as juste 3 baraques. Je suis quand même devant toi. Non, parce qu'après c'est le. Parce que c'est ça, c'est ton fort. Oui. Ah oui, ok. Ah oui, en fait, c'est le plus proche du premier joueur. C'est Charlie le premier joueur. C'est ça. C'est bon, la poste, c'est tout à fait bon. J'avais raison. J'avais raison dans mon quiz. Ah, j'ai dit que c'était lui le gagnant. Moi j'ai mis Charlène et j'ai vu que c'était faux, je me suis dit pourquoi. Parce qu'il avait su que c'était moi. Parce que je voulais faire un sondage et en fait, comme c'est un diagonal, j'ai tapé à côté et c'est, comme c'est le même design, j'ai pas fait attention. Mais en fait, au départ, c'était. Et il semblait que tu aurais pu faire tes sections pour demain avec le chapeauté. Oh punaise! Donc tu gagnais. Non, pas changé rien. Je... Il pouvait piquer des ressources aux autres pour construire ses sections. Non, c'était le premier don, je pouvais le faire en vrai. Puis je vais pas le faire. Puis de toute façon, c'était trop tard pour te piquer des ressources aux autres, tu peux pas le faire. Et... Oui. Ah, j'aurais peut-être plus envie de ça. T'aurais pris de la paille ou éventuellement de la brique, mais. Enfin, j'avais déjà ce qu'il me fallait, donc j'aurais pris. De toute façon, je perdais. Non, dans tous les jobs. Oui. C'est vraiment. J'espère que ça vous a plu. Charlène, pas trop. Si, si, t'as un peu. Elle en a marre que je regarde quel jeu. Là, j'ai pas. C'est plutôt bien parti. Donc, j'ai mis une carte collecte violette là où je ne connais pas. Ouais, ah non. Tu gagnes beaucoup. Okay. On va plus, on va faire. Bon, c'est. Non,
C'est un peu beaucoup du hasard quand même. Peut-être en vacances, mais pour vous, je sais pas. Il est quelle heure? 22h45. Ouais, moi je vais rentrer. Bon, bah, j'ai eu une nuit difficile. Moi j'étais partant. Hein. Bah après on peut continuer. Donc, après, mais après il dirait qu'il travaille peut-être demain. Bah, je travaille demain, ouais, c'est ça. Bon, oui. Tu fais quoi, Thierry? Développeur web. Ouais. Ah oui, ça. De chez lui. De chez lui. Donc j'y serai 10h, j'en fous. Oui, ça va. Je peux rester pour 3 parties encore. Ah, j'essaie de bien avancer dans le boulot. Quoi, ouais. J'ai des trucs à faire. Salut, les petits cariots. C'est juste que t'es pas obligé de les faire à 6h du matin. Oui, bah, ça, ils peuvent toujours sourire. Voilà. Toi, ouais, c'est roublard comme jeu. Ouais. T'as l'air simple comme ça. Exact. Ça, c'est une horreur. Ouais. Je t'avoue que la sorcière, je trouve hyper forte. Parce que quand tu peux voir ce que les autres font, tu veux voir ce que les autres font, c'est... Bah tu peux contrer la plupart des cartes femmes. En fait. Ouais, j'espérais que quelqu'un allait t'emmerder sur les briques. J'avais pas besoin de briques et je pouvais plus construire de... Bah j'ai essayé. De briques. Donc... Ouais, moi j'avais la carte qui me donnait 2 ressources de plus, donc je me suis mis là pour avoir une ressource et puis après je prenais 2 briques de plus et c'était bon. Je me suis dit, j'ai bloqué les briques, c'est bon. Bah non, j'avais fait ça, tu m'as échangé les ressources, et du coup, bah, j'avais le truc qui donnait 3 actions à la fin. Alors j'attends la suite. Hein. Comment ça? J'ai l'extension des cartes promo. D'accord. Ça, c'est bien. Je les ai vues aujourd'hui. Alors par exemple, il y a les frères Grimm. T'as pas. Un ami. Sachant que les amis sont tous uniques et les femmes sont doux. Quoi. D'accord. Bon, ça passait pas si j'étais pas promis, si j'étais pas seul sur le lieu à la fin. Il m'aurait manqué une action pour dernier. J'ai hésité à y aller pour un peu tout. Je me suis dit normalement c'est là qu'il devrait y avoir. J'ai hésité. J'aurais dû continuer à faire du full random. J'ai hésité, je t'aime. Ouais, ouais, bah oui, bah, je m'en suis douté. Mais pourquoi t'as pris la paille, toi? Comment? Pour bloquer. De quoi? T'as pris la paille pour bloquer Thierry? En fait, j'avais pas envie que quelqu'un me foute un loup ou une connerie comme ça sur le bois. J'avais cette peur-là aussi. Je me suis dit, normalement, sur l'un des deux-là, il devrait rien avoir. Donc j'ai essayé là, parce que je me suis dit, personne ne peut pas être, tout le monde a terminé presque. Ouais, bah, c'est ce que j'ai vu aussi. J'ai fait, ouais. Ou si je partageais éventuellement, c'était moi, la fin, j'étais bizarre entre les deux-là. Ouais. Voilà, ou l'autre, j'avais essayé. Mais... Voilà. Alors. J'ai essayé Terraforming Mars la semaine dernière. Alors, t'as bien aimé? Trop bien, j'ai adoré. Tu veux faire une partie? Ah ouais. Ok, je vais chercher. Non, mais pas aujourd'hui. Mais je ah bah, ouais. Ah bah oui, donc j'adore, hein. Toujours avec plaisir. Ouais. Sinon, le mardi, t'as un premier. Si tu veux faire une partie mardi, samedi après-midi. Ah non, je fais mes beaux parents. Bah si tu veux venir faire un Terraforming Mars. Ah bah du coup, oui. Faut me porter, là, c'est... Je vais aider des potes. Ils ont trop besoin de moi, on cherche des joueurs. Je peux pas les abandonner contre moi. Non, en plus, c'est même pas sûr que j'ai. Mais en tout cas, je serai tout seul avec le petit. Ah bah, bon, voilà. C'est une bonne occasion de lui apprendre à pour moi. Il va apprendre à jouer. Bah, bien sûr. Ouais, pourquoi pas. 2 ans et demi, c'est peut-être un peu tôt. Oh, ça passe. Ouais. On met des cartes, on met des cubes, tout ce qu'il faut faire. Ouais, tu mets au milieu. Bah, ouais. Après, tu te mets à l'aise. Ah, au milieu, il y avait ça. Quoi. La fin. Oui. Ouais. Tu peux pas dire ça. Tu dormes ici. Oh, si. Bon. Ouais, si. J'ai de la mirabelle. J'ai de la mirabelle. Pourquoi, mais t'as de la mirabelle pour les pour saouler les invités, c'est ça? Non, c'est les gamins pour qu'ils piquent. À part produire chez vous, seuls les cascadeurs peuvent le faire, les professionnels. Donc, pas les enfants, les cascadeurs pour autant. D'accord. J'en ai pas. Que je sache. Voilà, donc. La manche, le bois. Il est là. Il est là, personne. Bah, tu l'as pas pris. Et c'était moi. C'est pour ça que je cherchais dans ta direction.
Il fait bien ce petit Everdell. Il a carrément copié. Oui, c'est un peu le même visage. Ça a bien changé tes rapports avec Marc. Oui, il y a longtemps. Mais il me semble que... On a fait une partie avec un jeu. Oui, j'ai vu. Ah, mais c'était quand je devais... Non. Oui, non, désolé en fait pour la semaine dernière. Oui, il n'y a pas de Il nous a appris. Non, mais en plus, Claire m'a dit qu'elle avait annulé la veille. Elle m'a dit qu'elle avait annulé la veille. Si j'avais su, je serais quand même champion. C'était le jour même. Ah bon? Elle m'a dit qu'elle avait annulé la veille. Non, non, elle le fait le matin. Elle nous l'a dit le lendemain en fait. Ah bah, elle a annulé la veille le lendemain, donc la veille c'était le jour même. Oui, bah oui. Bon, attends, j'ai une petite pour comprendre ce que tu viens de dire. Bah, la veille du matin, c'est le jour même. La veille du lendemain, c'est bon même. Oui. Voilà. D'accord, vas-y. Simple. En fait, il n'y a rien du tout. Mmh. Parce que moi, j'ai lu un truc à. Je ne sais plus, il devait être 4 ou 5 heures de la fin quand vous envoyez le message. Mmh. Des enfants violents, pire tempête. Il y a eu quand même des coups de tonnerre. Et des... Il y a eu des grêles de 2 minutes. Oui, c'est ça. C'était pas une tempête non plus. Non. Moi, je m'attendais à avoir les toits qui s'envolent, les tuiles par terre. Ouais, bah, on aussi, hein, en même temps, dans notre coin, non. Par contre, dans notre coin, oui. Ouais. Ah, il y a encore plus de. Je lui disais, c'est bien, il y a de la place, c'est bien. Je ne comprenais pas pourquoi. Moi, ça se rend bien. Là, je te dis, ça va être annulé. Non, mais c'est pas très vrai. Et on a l'habitude avec le temps. Mais. Mais du coup, vous êtes pour les clés tout le monde ? Ouais, à 3 points. Ah, tout à l'heure aussi, oui, vous avez toujours le temps. On aura 2, on aura joué. C'est juste que c'était pas mieux le jeu. Oui, c'est ça. Mais pourquoi tu peux avoir tout ça? Ben, Flo, là, ça allait parce qu'il était en vacances. Donc, j'avais le temps de mettre les règles et tout ça, mais par contre, quand tu veux, c'est que tu dois préparer un dépôt, du coup, t'as pas prévu les règles. Ou alors, ah, tu dis, bah, du coup, je vais sortir un jeu de fond parce que j'ai pas le temps de lire les règles. Voilà, donc, j'étais en vacances, j'avais le temps de garder les règles. Vous avez fait quoi, du coup? Living Forest. Ça un jeu avec un deck building avec des animaux et tu dois éteindre des feux, tu dois des esprits animaux. Construire des arbres. Non. Avec tes branches qui. Non. Non, c'est vraiment une. T'as un carré de 5 sur 3 pour poser tes arbres. Carré, comme. Ok. Parce que chez Claire, on avait fait un truc où t'as un arbre à construire, mais en fait, les branches doivent être. Ça, c'est sa couronne. C'est la forêt différente. T'as des lucioles et tout dans les arbres. J'ai pas joué à Sakura, donc j'en sais rien, mais un jeu avec un arbre où tu construis avec les branches, ça peut être ça. Parce que c'est des cartes que tu peux mettre un peu n'importe comment. Oui. Ah, je vois, c'est lequel. C'est pas Sakura, je crois pas que ça s'appelle ça. Non, non, c'est. Comment ils s'appellent les esprits dans le jeu? C'est le même nom. Yukama? Non, un truc approchant, Kodama. Oui, c'est ça. Voilà. Tu vois, je savais de quoi c'est le jeu, et je savais quel nom c'était. Je ne me rappelais plus du nom. J'arrive je savais que c'était en 6 lettres, après. Mais Kodama, en fait, donc c'est des esprits qui sont joués, et toi, c'est le même jeu. Et là, bien rangé. Elle est belle. Je trouve que le jeu, il est marrant. C'est pas un gros jeu, il est vite compréhensible, t'as vu, en une partie, t'as trouvé tout de suite. Ouais. Même si tu t'es fait avoir. Et. C'est du hasard. Mais on s'est fait avoir tous les trois. On s'est fait avoir tous les trois. Deux fois. De quoi? Moi, j'ai rien à me reprocher, je l'avais prévu. T'avais vu ce que j'avais. Ça va, t'es pas trop à la traîne. J'avais mis le nom de chacun. Voilà. Surtout bien. T'avais voté pour quoi? Oui. C'est quoi le roi de. Bah si j'ai voté pour toi. C'est un défaut. Tu sais très bien que même si je gagne pas une partie, c'est parce que mon machin sur les autres. Moi j'étais content que vous ayez fait mon bordel là. Oui, c'est sûr, c'est le plaisir de participer, bla bla. Non, dans le BD. Non, dans le BD.
C'est juste embêté. L'important, ce n'est pas de gagner, c'est d'humilier son adversaire. Moi, je... Non, c'est d'embêter son adversaire. Moi, je voulais embêter Charlène, il n'a pas voulu. Et donc, moi, c'était mon plaisir de l'embêter, de ne pas t'embêter. Tu m'as défendu, c'est ça? Pas volontaire, bon, j'avoue, mais... Je lui tends une perche pour que ce soit gentil, maintenant. Ah non, 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 il n'y a pas moyen. Moi, j'avoue que j'ai cassé un mur, mais c'était pas toi que je visais. C'était pas sur mon CV. C'est pas grave, tu t'es fait humilier avant. Hein. T'avais le droit de te manger. Premier, de dernier. J'étais pour mes yeux bleus. Ah oui, c'est dans l'eau. Ah oui. Si j'étais tombé sur toi, que je t'avais pété un mur. Ah oui, toi. Ouais. Oui, ça aurait été mieux. Note pour plus tard, toujours des autres chaînés sur Flo. Bah, il faut pouvoir. Il a essayé, oui, mais... Il a pas choisi. Il aurait eu la sorcière, il aurait vu que sur quoi je jouais, et puis lui m'aurait attaqué moi. Mais... C'est vrai que ça, c'est vachement puissant. Quand même. Ouais. Tu peux choisir. Tu m'étonnes, deux parties, tu as eu la sorcière, deux parties, tu as gagné. Et encore, au moment de la défausse, il a le machin qui lui permet de faire trois actions, juste au bon moment. Quoi. Mais non, j'avoue que... C'était pas mal, hein. Ouais, non, c'est clair. Sinon, ça aurait été moi qui ai gagné. Ouais. Dommage. C'est ta faute. Non, c'est ta faute. Si t'as perdu, c'est ta faute. Quand même, mais non. Mente faite. Sachant que j'avais un tour de manque, mais... Parce que je me suis fait avoir dès le début. Ok, comme ça. Ouais, merci. Et les cartes fables sont puissantes, il ne faut pas hésiter à aller en chercher. Les amis aussi. Les amis, ils étaient autour de la table. Non, c'est mignon. Pour faire ta vêtue, c'est tout. Moi, je vais arrêter le live ici. Personne. Si j'ai une personne, je vais oublier. Et bah, pour le replay YouTube, salut. Ciao, ciao. Ciao.